Moi là, je suis pas du tout prêt encore. Il euh, faut que j'arrête la musique là. Ok, je suis en train, train d'écrire dans le chat à Naotec Team pour les remercier. Merci pour le raid de Team. Je crois que c'est ok. Je mets un petit cœur. Voilà. <laughs> euh, on va Je vais vous afficher la... Je vais vous allumer la caméra. Voilà, j'ai rien fait. Hop. Et je vais vous euh, mettre la... Je vais vous épingler l'excellente chaîne d'ailleurs. Euh, je suis dessus là. Qui vient de nous raid. Excellente chaîne d'actualité de la tech. Tout le monde la connaît. Euh, tout le monde qui ne connaît pas euh, Naotech hein? Hop. Chou. Hop. Et je vous émingle ça. Mais si vous ne la connaissez pas, c'est l'occasion d'aller découvrir cette chaîne qui est une chaîne d'actualité voilà. de la tech. Voilà. Avec notamment une matinale. Voilà. Oh. Mais alors très matinale ce matin, dis donc. Parce que là, elle, vient déjà, elle est déjà terminée. Et puis, euh, c'est une chaîne YouTube aussi. Voilà. Et Voxia qui dit, j'ai tous les droits maintenant. C'est quoi c'est quoi C'est encore un échange. dinguerie de ne pas être prêt à ton propre stream, ok Ah ouais, comme ça, ok. Euh, on salue Gabin qui, grâce à la SNCF, était avec nous. Euh, merci à la SNCF de me permettre de suivre ton live grâce à une panne d'aiguillage. Bah oui, ça arrive, ça arrive, ça, ça arrive, ça, ça arrive. Euh, moi, j'ai failli pas pouvoir streamer ce matin, ouais. comme euh, l'évoquait à l'instant avec toute la gentillesse dont elle est capable. J'avais un petit problème de carte d'acquisition et je ne pouvais pas vous montrer ceci, les journaux. Donc, euh, imagine, imagine, imaginez-moi râler. En, en vrai, je n'ai pas râlé. Je me bonifie avec l'agent, en vrai. Je suis passé immortal sur Valo, je me sens trop chaude. Ouais, j'ai vu, Evoxia. J'ai vu, j'ai vu. Imo, en solo queue, si je ne dis pas de bêtises. Hein? T'as vu, je suis ton actualité. Hein? Comme moi. En solo queue. <laughs> Mais pas Imo. Et donc, euh, imagines, tu imagines, te, tu te lèves le matin. Bon, tu te lèves assez tôt pour lire les journaux tous les journaux pour que ouais, pour euh, passer en revue les trucs intéressants, les trucs importants, intéressants. Donc tu lis pendant euh, trois heures, quoi, euh, tu prépares la revue de presse et puis tu arrives ici, pff, et euh, c'est le même setup qu'hier et tout, et tout marche, le son, l'image, euh, OBS, tout. Euh, mais euh, tu, euh, tu n'arrives pas à, à obtenir ça, c'est-à-dire euh, le contenu de, de ton iPad, quoi, qui passe par une carte d'acquisition, rien de compliqué, quoi. Et euh, bon, alors en général, c'est pas grand chose parce que c'est un petit peu fragile ces petits trucs-là. Donc tu désactives, tu actives une fois, deux fois, trois fois, tu redémarres OBS. Bon, bon, tu redémarres le PC. Bon, rien, qui, rien qui marche. Bon, c'est pas normal. Donc tu changes de carte d'acquisition, t'en prends une autre, ça marche pas, tu changes, tu, tu vas, tu changes les câbles. Non, rien du tout. Hein. Donc ça m'a pris une petite demi-heure quand même, j'étais prêt à lancer à 9h. Euh, et, euh, et, euh, et puis à un moment. Magie, mystère, joie de l'informatique, comme dit Odd à la joie dans le chat à l'instant, ça marche. <laughs> donc, euh, pff, je prends mon mal en patience, je prends le temps. J'avais mon petit café, j'avais mon petit euh, roulé à la cardamone, j'étais bien. Voilà. Et donc, euh, ça, voilà. Donc, je suis heureux, je suis heureux d'être là, de pouvoir vous lire les, les journaux et de voir que le setup fonctionne bien. Merci, euh, Skippy. Merci pour le deuxième mois d'abonnement. Merci Renifleur de Pep et AX pour le 33e mois d'abonnement, ce qui fait beaucoup. Merci Naotech encore. Allez voir cette chaîne en vrai. Hein je l'ai épinglé en haut. Pas mal le t-shirt, mais ça c'est mon t-shirt de tous les jours. C'est mon t-shirt bleu. C'est Lio. Hein <laughs> Je vois plein de bonjour de la Corse. J'ai vu un bonjour de Balagne tout à l'heure. Il a joué un concours de depuis l'aéroport de Bastia. Ça a dû nous donner l'escargot. Trop bien. Euh. Mais alors Evoxia m'a fait la même remarque hier sur mon t-shirt bleu qui est le même tous les jours quasiment. Pas le même, hein, je le change, mais c'est bref c'est le même. Euh, et donc je lui dis la même chose et elle m'a répondu la même chose. À l'instant, j'ai compris, on n'a plus le droit de faire des compliments. Tu as dit la même chose hier. C'est fou ça. Hein Ah oui, c'est Lio qui a fait une euh, une collab avec la K-Corp J'ai vu ça. Je suis passé devant un magasin il y a quelques jours et j'ai vu une affiche bientôt une collab avec la KCorp et tout. Et j'ai vu, euh, j'ai même vu un tweet là-dessus, je crois. On va aller voir. C'est Lio K-Corp. Bah, C'est Lio, je n'ai pas de, pas, pas, <coughs> pas d'action chez eux. J'ai remarqué qu'ils faisaient souvent euh, des trucs euh, sur l'univers des jeux vidéo. Euh. Alors. Ah ouais, ouais ça arrive là. Attends, attends. On voit des trucs ou pas Il bon, y a des gens qui postent des trucs en fait. Ouais, ouais. Sur les réseaux. Ouais. Ah oh, ça sont les sardines grillées, putain il y a un mec qui, qui grille des sardines grillées dans la course, c'est un enfer. Oh, J'adore hein, mais c'est... Euh... Attends, vous avez rien là mm. Voilà. Regardez, là on est à Olnay-sous-Bois. C'est euh, un, un gars qui pose ça. Ouais. C'est <coughs> ah, pas mal, ça a l'air pas mal en vrai. T'es euh, sobre et tout. Ouais. Ouais, ils font des collabs sur euh, des animés aussi, ouais, je sais. Je, je leur achète des t-shirts récemment. Marrant ça. La dessinatrice des t-shirts s'appelle Pichou, me dit Nico Manga. Comment vous savez tout ça, vous Ouais. Evoxia, toi qui manges des chipots le matin, tu devrais kiffer. Oui, c'est mon secret de beauté, je mange des chipots le matin. Ouais, mais les, les, les sardines grillées, ça sent fort quand même. Ok. Ok, c'est pas mal, ça. Ah bah voilà, moi c'est ce que j'ai vu, c'est la, la vitrine, là. Mais certains ont, donc certaines boutiques ont déjà les, les vêtements, alors. Je suis en mode chiffon ce matin, hein. comme Evoxia comme, euh, me parle de t-shirts. Ah ben bah il y en a qu'on le Jenny elle a, elle a déjà le, le t-shirt voyons voyons ah ouais c'est pas mal en vrai c'est pas mal c'est pas mal ah, Tom Tom me dit les sardines c'est moi j'ai pris mon désaccord ouais ouais sont... c'est sûrement très bon Tom Tom mais ça, ça pue en vrai ça, ça sent fort j'adore moi mais ça sent fort quand même on peut, pan... on peut parler de pantalons si tu veux aussi hop, hop, hop doucement Evoxia ça va nous emmener sur des terrains ça un hein, commence un hein, bon un hein, voilà ok le corn dog ah j'ai essayé Kachib, euh, j'ai essayé une fois c'était pas mauvais en vrai. Allez je vous lis un petit peu c'est mon bonheur. Ça nous met, on fait le plein de bonne humeur et après je vous lis un peu les journaux. Oui, j'ai vu Oasis. Eh oui, Oasis on en parlait. Terrain glissant comme disent les jeunes. Euh, ouais, vu. hier on en parlait de ce tweet très mystérieux d'Oasis le groupe voilà, qui annonçait peut-être une reformation mais je crois que c'est fait on a, on a l'info, c'est tombé ce matin. Donc je vous montre le tweet très mystérieux dont on parlait hier qui m'a hypé, moi parce que c'est un de mes groupes euh, Préféré, voilà, euh, comme beaucoup de vieux. Euh, Oasis donc a posté le 26 août, donc hier, euh, ce tweet mystérieux, 27 août euh, 2024, euh, 8 am, donc euh, le lendemain, soit aujourd'hui, et effectivement, bam Ils l'ont posté. <laughs> This is happening. Et donc, on a, on a manifestement une tournée. Une reformation, bande de belles personnes, ouais. Euh, euh, <laughs> le line-up original avec Carlos. Bon, là, il faut avoir, la ref, hein. faut avoir la ref. Oasis, Oasis O, Oasis, Oasis A. Mais qu'est-ce que tu bois, Doudou, Didon Etc. Um, uh, this is it, this is happening. Donc, reformation d'Oasis. Il y a du son, là Me and him are like telepathic, not I mean. I know my brother better than anybody else. When both come together, you have greatness. Ah, ils sont pas fait chier la vidéo est montée n'importe comment elle est vraiment dégueulasse la vidéo ils ont pas un mec au son pour mixer ça attends euh... c'est euh, un montage de wish quoi non mais... mais moi je peux faire mieux que ça ils ont pas des sous pour payer un gars pour monter leur truc là Putain mais c'est monter... Euh, c'est même pas monter avec les pieds quoi. Hey, Putain c'est un groupe mythique. Euh, le mec euh, il est... A... Oh quel daube yeah Bon, c'est dommage. C'est pas à la hauteur de, de l'annonce, quoi. Bon, bref, euh, reformation du groupe et il y a euh, une série de concerts annoncés. Certains en rigolant disant, disaient euh, reformation le, euh, le, le 27, euh, dissolution du groupe le, le 28. Oui, parce c'est vrai qui C'est ne peux pas comprendre. Non, non c'est pas aucun c'est de la daube. Euh, donc Cardiff, Manchester, London, Édimbourg Edim et Dublin. Ok. Donc, on a une, deux, trois, quatre, cinq dates. Peut-être un test avant plus. Il y a un autre tweet. Ok. Donc, UK Island Summer. Oh, C'est dans un an C'est dans un an. Oh, ils ont le temps de se fâcher d'ici là. Hmm. Ok. C'est quoi ça Et là, ils annoncent un album euh, réédition de luxe, ce truc là. Ok. Ok. Ok, 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 ok. Bah, je suis content, je suis content, je suis content parce que, un truc que mm. bon, avez, ça, que j'aime beaucoup. Bon, ça vous hype un petit peu ou pas Non, euh, arrêtez euh, le montage, il était pas cool, en vrai. c'est des zones, quoi. Et en plus, dans des beaux clips. C'est underground de faire un montage propre Ah, de pas faire un montage propre Ah, mais bah, je suis passé assez underground. Alors. Ok. Je suis incroyablement hypé par cette annonce de fou furieux malade mental. Oui, à euh, Gamer, je te, conf... je te comprends, mon ami. Ouais. Je... Ils sont obligés de jouer à Rock scène après leur séparation là-bas. Oui Mais pour l'instant, ça n'est pas annoncé. Ouais. Connaissant Noël, il a sûrement besoin d'argent. Ben, connaissant le succès de leur carrière solo respective à tous les deux, qui est pas terrible. Effectivement, peut-être, hein. Peut Ok. Il y a d'autres annonces comme ça importantes que j'aurais ratées ou pas Salut hein? Yoshi Forever, merci pour le 30e mois. Merci Pifomet, merci pour le 33e mois. Merci Deborah Lane, merci pour le 26e mois. C'est quoi ces, ces anciennetés de fou là La, la marmotte folle, merci pour ce deuxième mois et pour le bonne journée. C'est marrant parce qu'on a la marmotte folle qui a sub juste après Skippy. Donc t'as un team kangourou marmotte là qui est trop, trop cool. Moi je veux un album, des concerts en UK, je m'en fous. Bah Marvel, je suis un peu comme toi moi. Mm. Euh, Linkin Park a fait un décompte mystérieux, me, me dit-on aussi dans le chat, mais Linkin Park... Euh... Attendez, Linkin Park, les gars... Euh... Il nous manque quelqu'un dans, dans Linkin Park Non J'ai raté un épisode là Il nous manque euh, le chanteur, non, Chester Ben ouais, alors là, vous voulez qu'on je... qu pleure encore ou quoi C'est assez triste, bordel. Linkin Park, vous avez raison. Il y a un décompte qui va se terminer manifestement dans. C'est quoi ce truc-là oh, C'est bizarre. Ouais, Chester, putain quelle histoire. C'est trop. Quel bonhomme incroyable celui-là. Mais alors du coup, c'est quoi l'actu Oh, pff, ça c'est triste. Quelle histoire. Hein, c'est quoi du coup euh, C'est quoi l'actu sur Linkin Park tu quoi Linky Park by EDF, je valide la blague d'AES dans le chat, c'est validé ça. C'est validé. Linky Park. Des rumeurs de reformation avec une chanteuse Ok, il paraît d'un nouveau, nouveau chanteur, peut-être une chanteuse me dirait ça également. Ok, d'accord, ok. Oh là là, ouais, mais ça va, ça va remuer des trucs ça. Ah, Chester, qui peut Personne ne remplace. Pardon, hein, je, je suis. Là, je vais être très passéiste et très. Euh... Mais qui peut remplacer Chester, quoi ouais c'est waouh enfin, il avait il était tellement pff, hein empires dit autant former un autre groupe alors bah je dis bah je dis oui Linkin Park c'est c'est notamment Chester c'est sans Chester c'est plus Linkin Park c'est autre chose hein ouais hmm. Après, ils font ce qu'ils veulent en soi. Oui, t'as raison, Succombe TV, en vrai. Hum. Euh, pom Pom n'est pas très au courant. Ils n'avaient pas déjà un, trou un chanteur pour le remplacer C'est barré Ah non, tu parles d'autre chose, ok. Ouais. J'ai cette info, moi, Macron ne veut pas de le Castet. Merci, Créon, pour cette info. On va en parler ce matin. Ouais, ok. Ouais. Mais euh, il, était, il était quand même... Non, puis surtout, il y a beaucoup d'émotions autour de la disparition et la mort de Chester, donc euh, c'est ça qui est dur, en vrai. Ouais. C'est comme, euh, vous savez, quand le, le batteur des Foo Fighters c'est parti, là, et qu'on a vu son... Oh cette... oh, cette vidéo, vous avez la ref Vous savez... Euh... quand son fils est venu lui rendre hommage en jouant avec les Foo Fighters. Vous savez Ça a donné une scène... Moi, elle me fait pleurer, quoi. Vous voyez de quoi... Je... Ouais, son fils. Vous voyez de quoi je veux parler ou pas Tiens, je vais vous montrer cette vidéo qui est insane. Oh là là, c'est tellement... tellement... Pardon, je veux partager ça avec vous. C'est juste incroyable, ça. Je... Parfois, je passe une heure à regarder euh, en boucle cette, cette vidéo-là et d'autres. Voilà. Donc... Euh j'ai pas le contexte exact mais en gros c'est après la mort euh, euh, du, du, bat, du batteur euh, de, fou, de, de Foo Fighters qui est en vrai mon groupe préféré aujourd'hui donc Shane Hawkins et en fait euh, euh, leur le, le, le fils qui s'appelle Taylor, Taylor Hawkins qui est batteur également voilà, qu'on a vu jouer tout petit déjà enfin euh, enfant et voilà, est venu rendre hommage à son père en jouant avec les Foo Fighters quoi et, euh, et cette, et cette, euh, cette séquence est trop belle, je vais vous la montrer si vous voulez bien. Merci urcien 81 merci Fluda, merci Roctali, merci Lefil, merci Yoshi Forever. connaissez cette séquence ou pas Oui, Taylor c'est le père, ouais. J'ai inversé. Pardon. Euh, pardon, le, le, Taylor c'était le, le père et Shane c'est le, le fils. Pardon, j'ai inversé. Alors je vous montre cette vidéo qui est juste superbe. Voilà. Ouais. Je ne vous connaissais pas Bon ben il faut... Euh, il faut, vous allez, je pense que même quand on ne connaît pas les Foo Fighters et qu'on ne connaît pas l'histoire, euh, vous allez sentir l'émotion de cette scène qui est incroyable. On est, la chanson, c'est My Hero. Hein, et euh, ça, ça se passait voilà, à, à The Taylor Hawkins Tribute Concert, donc le concert en hommage à, à Taylor Hawkins. Voilà. Et donc, euh, y a, on voit bien sûr euh, le Foo Fighters. C'est quoi C'est Dave Grohl, le chanteur Je ne dis pas de bêtises, c'est ça voilà. Euh, et, et ça donne ça, et c'est très, très, très émouvant. Now. Let's go. Il est tout jeune, il, il est beau comme un ange, il a perdu son père, il vient lui rendre hommage en jouant. savez quoi <laughs> euh, On va la regarder cette vidéo, on va la regarder en entier. Okay. Waouh! J'ai vu cette vidéo un, un nombre incalculable de fois. Et, je, et c est, elle est tellement chargée de ouf. Incroyable. Bon, voilà, ben je suis content, de... pour ceux qui ne connaissaient pas, de vous faire découvrir cette histoire très très forte, donc d'un fils qui rend hommage à son père batteur. Voilà, et je, même quand on ne connaît pas l'histoire de cette histoire-là et qu'on ne connaît pas Foo Fighters, je pense qu'on sent, euh, sent tous ce qu'il y a dans, cette, dans ce morceau et dans cette... Et dans ce bel hommage que du coup Foo Fighters a rendu. Oh, ça repart là. Et euh, c'est marrant cette vidéo, je, je la connais par cœur, mais je pourrais la revoir un milliard de fois quoi. Il a grandi depuis d'ailleurs, mais euh, je crois qu'il est, crois qu'il est batteur d'ailleurs. Ouais. C'était fou hein, voilà. Et puis ceux qui connaissent l'histoire de Foo Fighters euh, connaissaient déjà l'histoire. Ouais. Mais c'est un, un beau groupe, c'est une belle histoire. Certains parlaient de Nirvana, il faut savoir que Dave Grohl, donc le chanteur, le, le leader de Foo Fighters, est l'ancien batteur de Nirvana, c'est une histoire de, de batteur. Voilà. Et puis moi, c'était l'instrument que je jouais quand j'étais jeune. Voilà, je me promets toujours de reprendre un jour, mais je... <laughs> manque de temps. Et donc du coup, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Voilà. Voilà. En tout cas, content de vous avoir fait découvrir ça pour ceux qui ne connaissaient pas cette histoire. Lemon Had, merci pour le 9e mois. Onizuka pour le 3e mois. GoGo12367, merci beaucoup pour le soutien. Mister Velo pour les beats. Merci Flouda, Floudard, encore merci. Et tout ça parce qu'on parlait d'Oasis ce matin qui se reforme. La question c'est combien de temps ça va durer. Bonjour, c'est possible d'avoir le lien de cette vidéo s'il vous plaît Ouais bien sûr. Après tu peux la trouver en deux secondes sur... Tu peux la trouver en... Je vous l'épingle, tu peux la trouver en deux secondes sur Youtube. Hein. Tiens je te la mets. Hop. Je te l'épingle en haut ouais. Voilà. Bon les amis. Ouais. C'est belle histoire. Ouais. Euh, sinon, comment ça va, vous euh, On parlait des actualités que j'aurais ratées. On a parlé de. On a parlé de la k On a parlé de... des, des t-shirts de la K-Corp. A... Quelqu'un me disait ça y est, le, le stade de la, de, de la K-Corp est ouvert. Ça y est, c'est fait. Il y a aussi l'annonce du match retour Espagne-France-Amine. Ouais, j'ai vu ça. C est, c est... Attendez, c'est ouvert le stade Ça y est Déjà Attendez, je, je. Mais déjà, 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 déjà Il y a des places sont à vendre bah, Je vais acheter des places alors. Début se... déjà, Début septembre À Ivry Oui, oui, oui. Euh, bah, il y a un article de l'équipe. L'équipe, le journal, mesdames et messieurs. La Carmine Corp arrive dans son stade. Fondateur de la Carmine Corp, Kamel Kameto Kebir a annoncé ce dimanche sur Twitch euh, le programme du week-end d'ouverture des arènes de la KC. Les 20 et 21 septembre à Evry-Courcouronnes, le stade du Blue Wall accueillera du LOL et du Rocket League. Waouh! Waouh! Ah ouais, article dans l'équipe quand même. Hein. Ça le fait. Près d'un an après une annonce en grande pompe devant 29 000 personnes à la Défense Arena, la Carmine Corp est sur le point d'inaugurer son nouveau QG. Euh, dimanche soir, Kamel a euh, livré le détail du programme de l'ouverture de, des. Donc c'est le nom officiel des arènes euh, d'Évry-Courcouronne, le stade de la cassée. Enceinte de plusieurs milliers de places, s'il vous plaît, où se disputeront en public. C'est une grande première en France, hein. un club d'e-sport comme ça, hein. qui, a son, qui a son stade, non Où se disputeront en public quelque chose d'aussi gros, on est d'accord hein. Des matchs de la structure d'e-sport la plus populaire de l'Hexagone, désormais club résident, rareté dans la discipline. En Europe même Waouh C'est insane. Il y a une vidéo, pareil, il a fait une vidéo, euh, Kameto Waouh les premières joutes de la Carmine dans l'Essonne, le fief du streamer et fondateur du club, sont prévues pour les 20 et 21 septembre prochains. Sans surprise, c'est l'OL qui ouvrira cette nouvelle ère. L'équipe LFL de la Carmine jouera le vendredi 20 son quart de finale de Coupe de France. Oh, ouais, ça, wow Il n'y a qu'en Chine et en Corée qu'il y a des stades comme ça. Quelle légende ce caméto, putain. Le lendemain soir, les arènes de l'Agora et ses quelques 3000 places euh, accueilleront la finale de la Normal Player Cup, événement communautaire du Rocket League. Euh, les places, donc à partir du 29 août, premier prix à 12 euros. Ok, GG, hein Hein C'est fou, hein euh... C'est fou, je sois diffusé sur France Télé. C'est diffusé sur France Télé Info? Moi j'avais entendu parler de ça, mais je pensais que c'était euh, pas, pas annoncé. Euh... Je crois que j'ai entendu dire que la France Télé va acheter les, les droits de télé de la, de la Coupe de France euh, de LOL. J'ai entendu ça moi. Vous avez pas entendu ça, vous Parce que quelqu'un me. Non, mais quelqu'un me dit ça dans le chat. La pub est passée sur France 2 hier soir. J'ai entendu un truc comme ça. Je ne trouve pas, pas l'article, mais quelqu'un me dit qu'il a vu la, la pub hier soir sur France 2. Oui, il me dit euh, Check, France Télé a les droits TV de la Coupe de France de, de LOL. Ouais, ouais. Ils veulent le diffuser sur, euh, je crois, sur leur chaîne Twitch et sur euh, leur chaîne France.tv. Non, non, mais c'est vrai. Euh, et. Euh, et. Euh, attendez. Laissez-moi vous dire un truc là-dessus, parce que c'est officiel. Ouais, moi, bon, on m'a proposé de. de caster justement euh, des matchs de la Coupe de France de LOL, enfin, en noob. En, en hein. Avec un expert à côté, euh... sauf que euh, j'ai déjà un engagement. Voilà, donc a priori, c'est pas possible. Ouais. Euh... Et les horaires d'une Coupe de France de LOL, ça se bouge pas. Et mon, mon émission, ça se bouge pas non plus. Voilà, y a pas le choix. Je fais trop de trucs et je peux pas, je peux pas le bouger. Voilà. Ouais. Ouais, bah c'est comme ça. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut pas tout faire. Voilà. Et donc c'est officiel. Oui, je l'ai entendu effectivement. Et après, vous avez euh, l'info euh, France Télé va diffuser euh, la Coupe de France de, de LOL. C'est incroyable. Hein mmh. Voilà. D'autres infos. Ce matin, c'est euh, c'est gavé d'infos. Hein Merci Jean-Sébastien pour le 15e mois. Merci Mag Rousse -Lavray pour le 11e mois. Merci Lulu Zark. Pour pourtant, tu arrives à être à la fois sur Question pour un champion sur Twitch. Oui, mais les journées ne font que 24 heures, même on en dormant peu. Quand un événement a lieu à la même heure. En fait, moi, à la même heure, je fais un truc. Voilà. À la même heure, je fais un truc et je ne peux pas le, je ne peux pas le bouger. Enfin, je ne peux pas me libérer suffisamment tôt pour le début de, du cast, en fait. Voilà, ça arrive. Euh, France 2, alors il n'y a, a pas de précision, est-ce que ce sera diffusé sur France 2, France 3, mais euh, moi j'ai entendu dire sur, euh, sur France.tv, donc la chaîne télé euh, du numérique, euh, sur Internet, et, euh, et sur peut-être leur chaîne Twitch. Voilà, mais ça, je n'ai pas d'infos là-dessus. Mais en tout cas, je sais qu'effectivement, après ils, euh, ils ont acheté les droits. Bonne nouvelle. info de dernière minute, je viens d'avoir un entretien d'embauche pour un plein temps, bientôt fini le chômage. Bartenzing, GG à toi. Voilà, Arrobas me confirme, c'est sur la chaîne Twitch de France Télé. OK. Tu m'as envoyé un lien Tu m'as envoyé un lien ouf mon ami. Euh, tu m'as envoyé un lien Tu m'as envoyé un lien ouf. Tu sur Twitch sur un, Tu m'as envoyé un DM Twitter Ah. Non. Je ne l'ai pas. Tu, tu m'as envoyé un lien où Parce que des liens, ça, ça peut être sur TikTok, sur Insta, sur... Euh, euh, sur, euh, sur Twitch, euh, ça peut être où encore? Ça peut être sur Minitel, moi j'ai je, je, encore ma chaîne en euh, 3615. Là je vois pas. En tout cas, c'est marrant. Ouais. La finale sera en direct de la PGW. Ouais. Sur Copain d'Avant, ouais. Hmm. En MP Twitch. Ben, en MP Twitch, je ne vois rien, les amis. Comment ça se fait que vos messages ne me parviennent pas Ah, si, merci. Je l'ai. Ça y est, Clément, je l'ai aussi. Ok. Merci. Ça y est, je l'ai. J'ai trouvé. Ouais, hop, regardez. Merci, euh, merci les modos, merci les viewers. Euh, donc, c'est la Banque Postale Coupe de France, c'est le nom officiel hein, de la compétition. Ça, je le savais. Et de retour, rendez-vous le 16 septembre pour le début des phases finales. Le mercredi 23 octobre, on dirait de la PJW pour la finale. Bon, ben voilà, le 23 octobre, j'ai un truc. Euh, la compétition sera suivie en direct sur la chaîne Twitch de France TV. Slash, Donc, c'est sûr, voilà. Et après, donc, voilà. Euh, c'est bien ça. Voilà. Ouais, euh... Les références à. Il y a des références à LoL dans ce, dans ce, dans ce clip ou quoi Je ne suis pas un grand spécialiste de LoL. Je sais pas. Ou où, où, où on pourrait faire ce clip pour euh, n'importe quel jeu Je n'ai pas, pas les refs là. Ouais, je sais pas. On voit quelques. D'accord, okay. Ok, ok. Ah, il y a un clip de LoL sur le Big News, j'ai raté. Ok, très bien. Bon, bah, vous êtes riches d'informations ce matin, hein, c'est incroyable, non hein. vous, vous êtes des foufous, bravo, hein Top. Euh, bon, 10h, je vous laisse à midi, ou autant dire qu'il serait peut-être temps d'aller sur la revue de presse Vous en pensez quoi Oui, Nico Manga, ça, je pense que tout le monde l'a vu, on l'a même euh, annoncé hier dans cette revue de presse. Vous êtes prêts pour la revue de presse Let's go, je vous fais un petit sommaire pour commencer, comme ça vous avez l'essentiel de l'actualité en 5 minutes, ok Ok, allez, c'est parti. Un petit... Il est où mon S Il est là-bas, je ne sais pas. GG, j'ai euh, juste G. Ai. J'aimerais offrir à hein, mon neveu des journaux du monde entier le jour de 16 Ah, oh, Tu vas trouver ça sur Internet yeah, baby Oui, oh, il est bien celui-là. Ok, let's go. Petit sommaire, les amis. Il euh, y en a pour 5 minutes et après, on passe euh, sur la lecture de ces articles. Qu'est-ce qu'il y a dans, dans l'actualité aujourd'hui Où en est-on de ce feuilleton politique de l'été après les législatives, euh, quand est-ce que la France aura un nouveau Premier ministre ou une nouvelle Première ministre voilà. Eh bien, où en est-on ce matin, hein, ce euh, mardi 27 août On en est exactement, Ticlème. on en est nulle part, Voilà. Euh, toujours rien, toujours dans un pas, ce Titre le parisien euh, ce matin. Hein, Jean-Luc Mélenchon a tenté un truc ce week-end, je vous en ai parlé hier, hein, puisque. Du côté de l'Élysée, on disait, non, ça n'est pas possible de mettre un gouvernement euh, euh, NFP euh, à Matignon, enfin un gouvernement parce qu'il y aura des ministres et les filles et que du coup les autres partis ne seront pas d'accord et donc il y aura une motion de censure et donc ce gouvernement va tomber. Mélenchon a dit, bon, bah, chiche, on ne mettra pas de ministres et les filles dans ce cas-là. Eh ben bah ben non, ça n'a pas suffi à, euh, Jean, euh, au président Macron. Et donc il a écrit dans un communiqué officiel, non, je ne euh, nommerai pas un Premier ministre. Euh, NFP à Matignon, ça le mérite d'être clair. Alors, la question qu'on se pose derrière, c'est alors, ah, ok, alors qu'est-ce qu'on met à la place Eh bien, on ne sait pas. On n'en a même aucune idée. Mais alors, aucune de chez aucune. Donc, on n'est vraiment absolument pas avancé. Voilà, Libération dénonce ce mépris, rappelant que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête hein, le, aux législatives. Voilà. Euh, Macron crée un bazar sans nom, estime euh, le journal. Ce qui est intéressant, c'est que le Figaro se félicite. Ah oui, Figaro, un journal plutôt conservateur, plutôt de droite, et qui euh, ne, ne voit pas forcément d'un euh, très bon oeil l'arrivée de, de la gauche, euh, et notamment du, du NFP, euh, au, au pouvoir. Et donc, le Figaro se félicite. En tout cas, un éditorialiste du Figaro se félicite. Et, euh, et le Figaro, dans la foulée, dit euh, Ah ben, il n'y a aucune autre solution. <laughs> c'est excellent donc, euh, le Figaro écrit noir sur blanc. Bon, vraiment, c'est ouais, GG, c'est super, euh, bravo. Bon, sauf qu'en fait, il euh, n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est très intéressant. Alors, quand je dis un éditorialiste du Figaro se félicite, vous verrez que dans le même journal, le Figaro, vous avez un éditorialiste qui dit Ouais, c'est formidable, la gauche n'arrive pas au pouvoir. Et un journaliste du Figaro, un, genre une page plus loin, qui dit Ben, ouais, normalement, c'est la gauche qu'il aurait fallu nommer. Dans le même journal. C'est ce que j'essaie de vous expliquer parfois. Un journal, ce n'est pas monolithique. Vous avez une couleur globale. Mais parfois, les journalistes entre eux ne sont pas d'accord. Voilà, et notamment sur cette question, vous verrez. Donc, un, un lecteur du Figaro aura les deux arguments, euh, mais dans le même journal. Et ça, je trouve ça euh, assez intéressant. Euh, L'humanité bon, ben, dénonce ce nouveau coup de force euh, de Matignon. Hein. Le coup d'État permanent, c'est vrai que ça pose des questions. Euh, les Français ont voté et il se passe rien. Voilà. Euh, le monde euh, se, se penche sur. L'une des conséquences de l'absence de gouvernement, on a un gouvernement, mais un gouvernement démissionnaire, un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Ils sont là, ils ne sont pas là. Hein. Certains parlent de ministres fantômes, de fantômes, de, de ministres zombies vivants et morts en même temps. Donc, c'est des ministres qui, bon, qui vaguement font des trucs, mais qui ne peuvent pas prendre de décisions hein, politiques et lancer de nouvelles initiatives. Par exemple, là, on a une rentrée scolaire inédite, ça n'est jamais arrivé, sans ministre de l'éducation, sans ministre de l'éducation réellement en poste, quoi. Donc tout est un petit peu gelé. Et imaginez ça, ça vaut aussi pour l'armée, pour la culture, pour etc. Donc là, par exemple, une rentrée scolaire inédite sans cap politique, le monde se penche dessus et sur ses conséquences. Euh, merci la presse écrite parce que la presse écrite nous emmène vers des horizons parfois des actualités que eh bien tous les médias n'évoquent pas. Et donc là, on a un conflit oublié, un conflit loin des yeux. Est-ce que vous entendez parler souvent? Dans les médias que vous consommez, du Soudan, de la guerre au Soudan, euh, qui dure depuis, qui dure depuis le 15 avril 2023, qui a fait 150 000 morts, qui a fait plus d'un million de déplacés, voilà. <laughs> bah, pas trop. Eh bien, La Croix consacre un dossier spécial et ça une ce matin au Soudan pour nous parler de cette guerre dont personne ne parle. Voilà. Donc merci La Croix et euh, ben bah, La Croix essaie d'expliquer ce conflit et moi je, je, je ne connaissais pas les tenants et aboutissants de, de, ce, de ce conflit et grâce à la croix et eh bien j'ai compris voilà donc on, on le lira euh, on le lira ensemble euh... je vous laisse répondre à un Prévisible qui vient d'écrire un message pour la première fois euh, je vous laisse échanger avec lui on se penchera notamment sur l'enlisement d'une guerre nourrie par des soutiens étrangers euh, on continue le sommaire, après on en parlera ensemble, là je vais vite. Hier vous me disiez, mais Samuel, pourquoi tu ne parles pas de l'arrestation du PDG de Telegram à Paris, Pavel euh, Durov bon, J'attendais un article euh, un, peu, un, un, peu, un peu clair, je trouvais que tout n'était pas très clair. Je l'ai trouvé dans Le Monde, donc je vous l'ai mis de côté. Voilà. Euh, pourquoi le PDG de Telegram a été arrêté à Paris Qu'est-ce qui lui est reproché par la justice française voilà, C'est assez intéressant et Le Monde nous l'explique. Euh, très clairement, euh, avec un article et un édito également. Il euh... y a Baudos qui dit, c'est l'actualité la plus intéressante. Non, c'est celle-là, c'est celle qui arrive à l'air. Le vieux schnock que je suis dénonce depuis des lustres le fait qu'un qu métro comme le métro de la ville de Paris n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap. Voilà, hein, On est dans un pays les plus riches au monde, euh, dans une, une ville qui est riche, qui s'appelle le Paris, voilà, euh, où il n'y a pas d'argent pour que euh, les personnes en situation de handicap puissent prendre le métro. Voilà, moi je trouve ça scandaleux. Voilà. Et qu'est-ce que je lis ce matin dans le Parisien Eh bien, il y a une initiative euh, euh, politique pour le coup. C'est la présidente de la région Valérie Pécresse qui propose de rendre le réseau de métro parisien praticable aux personnes en situation de handicap. Alors c'est un énorme chantier hein, d'ici. 20 ans avec un chantier de 20 milliards d'euros, à mon avis c'est plus important que ça d'ailleurs, le défi du métro pour tous. Alors est-ce que c'est une initiative politique en mode pipeau pour faire un petit peu de la com voilà. Est-ce que euh, ça va être su suivi des faits Qu'est-ce qu'il y a dans cet appel de Valérie Pécresse voilà, qui est prête à mettre un tiers du budget C'est-à-dire que le reste du budget, d'où il vient Bon, bah, je spoil, elle demande que ce soit la mairie de Paris et l'État. Euh, Qui mettent euh, au pot. Quelle est la réaction de la mairie de Paris C'est assez intéressant. Donc, euh, voilà, le, 100, le métro 100% accessible banco, euh, bah je, je, je dis bravo parce qu'au moins, on en parle. Moi, je ne comprends pas que ce scandale ne soit pas plus souvent euh, dénoncé. Quoi. Sans, sans compter qu'un métro parisien accessible aux personnes en situation de handicap, c'est aussi une, une, un métro plus accessible aux, aux personnes euh, les plus âgées, aux, aux mamans avec des enfants en bas âge, des poussettes, euh, etc. Quoi. Euh, donc, euh, merci le, le parisien pour ça. Pour moi, c'est l'information la plus intéressante et la plus importante ce matin. Enfin, parmi les plus, puisque je viens de parler du Soudan, par exemple. Euh, euh, et puis, euh, vous savez que moi, je prête un intérêt tout particulier aux Jeux paralympiques et je souhaite ardemment le succès de ces Jeux paralympiques, justement pour mettre la question du handicap en lumière. Et. Bah ça s'annonce quand même bien, sous de bons auspices. Voilà, on va attendre bien sûr qu'il se déroule, euh, comme on l'a fait pour les Jeux olympiques. Mais voilà, y a, les billets ont été vendus en masse. Ça semble plutôt bleu, la préparation bien se dérouler. La cérémonie semble sympa. Voilà. Tous les feux sont ouverts. Je vous lirai un article du Figaro sur cette question. Et j'espère que tous ensemble, puisqu'on va participer en allant euh, applaudir les athlètes ou en regardant euh, tout ça à la télé. On va tous participer à notre niveau, si on le souhaite, au succès de ces Jeux paralympiques. Euh, à mon petit niveau, je le ferai. Euh, voilà pour le petit sommaire. Euh, il y avait des nouveaux, je l'ai vu tout à l'heure avec quelqu'un qui disait un truc intéressant, euh, slash étrange dans le chat. Je pense que vous lui avez répondu. Là, maintenant, on va prendre le temps de développer tout ça pendant deux heures. Voilà, je vous lis un petit peu et on démarre cette revue de presse qui va commencer par la politique. Alors... Tu joues pas à Valo euh, Alex c'est cet après-midi Valo. Le matin c'est l'actu. Enfin on fait, on fait un truc ici, on fait de la pole dents aussi. Je, des, je donne des cours de pole dance aussi. Mais ça c'est ça il n'y a pas de il y a pas de il y, y a pas de programme précis c'est au feeling c'est au feeling. Hmm Sera du effet depuis belle lurette dit du duche sur le métro accessible aux personnes en situation de handicap oui bien sûr. Merci, Larloul, pour le message. Merci à toi. Merci, Bobodev, comment vas-tu Merci pour le 29e mois. Le, la den, c'est le soir pour les abonnés. J'ai le de mon Reine, Reine unique qui lui a sa carte de fidélité. T'en as des coups de tampon sous ta carte, mon ami. Hein ouais. Non, l'arc de Ring n'est pas terminé, je vais reprendre, mais là je suis sur un boss euh, qui est dur. <laughs> Qu'a dit Macron sur NFP euh, Axanas, on va commencer par ça dans quelques secondes. Euh, merci pour ton message, Autarcy, qui nous dit j'ai fait l'aigri comme beaucoup de Français sur les JO. Voilà, finalement, tu as été hypé comme beaucoup d'entre nous et j'ai juste hâte maintenant de découvrir les paras. Tu as bien raison. <laughs> Y a Cyril qui dit j'ai une nièce yes qui fait de la pole dance. Si tu veux des cours, alors oh non non ça va. Aller, ça va aller. Je veux une proposition pour être mal comprise par certains esprits dans le chat. Donc je vais je vais non sache que je suis par ailleurs un grand maître de la pole dance. J'ai été j'ai été j'ai fait des compétitions internationales. J'ai gagné un championnat local à Créteil il y a quelques années déjà. Donc voilà je n'ai pas besoin de, de de cours et voilà. Mais merci de la proposition en tout cas c'est très gentil. Il y en a qui vivent leur meilleure vie, ils vivent leur meilleur vivent leur meilleure vie, Il moi quand train de faire des crêpes, là. quel bonheur. Salut euh, et Makubai, merci pour le message. Moi, mon régal, c'est lire le chat, ici c'est pas lire les journaux, excusez-moi. Je... On ne dit plus Paul Dance, mais France travaille. Elle est, elle est pointue, elle est technique. Elle, elle est. Elle est technique. Elle, allez, on la valide. Hmm. Hein? Bon, vous êtes prêts pour la vue de presse? On y go? <laughs> C'est parti Allez, c'est parti. Bon, on va parler de politique, les amis. Alors, euh, où on en est hein, Je ne sais plus combien de dizaines de jours après euh, les législatives. Euh, 40 jours, 50 jours, je ne sais plus. De la situation politique en France, euh, eh bien, on en est nulle part. On va commencer par l'article du Parisien. On est toujours dans l'impasse. Je lis, on résume. On ira même peut-être lire le communiqué de l'Elysée que, euh, d'ailleurs, euh, un, un des modos m'a envoyé hier soir, très gentiment d'ailleurs. Non, c'est pas, pas toi, mon ami Jules Non, c'est pas Julo. Le coup de Jean-Luc Mélenchon ce week-end aura donc échoué. Je vous rappelle le coup de Jean-Luc Mélenchon ce week-end, puisqu'il avait entendu que parmi les arguments de Macron pour ne pas mettre un gouvernement de gauche NFP au pouvoir, il y avait celui-ci. Non, vous comprenez, on ne peut pas mettre de ministre LFI, sinon les autres partis vont pas être contents. Ils vont voter une motion de censure, le gouvernement va se casser la gueule au bout de deux jours. Jean-Luc Mélenchon a dit ce week-end Bon, bah, ok, pas de problème, chiche, on ne met pas de ministre LFI. On va soutenir le gouvernement, mais on ne va pas administrer les filles. Et vous faites quoi maintenant Donc, ça, c'était ce qu'il a tenté ce week-end et ça n'a pas suffi. Le coup de Jean-Luc Mélenchon n'aura donc pas euh, suffi. Il a échoué ce lundi. Donc, c'était hier. Emmanuel Macron a officiellement exclu de nommer Lucie Castet à Matignon tout en étirant encore le calendrier. Bon. Le président de la République a constaté qu'un goût. Alors, ça, c'est le communiqué. On va essayer de le trouver, le communiqué, parce que c'est encore, encore mieux, parce que la... le parisien cite le communiqué de l'Elysée. De ah, bah, toute façon, je l'ai en DM, moi. Je crois que Jules me l'a envoyé hier soir. C'est très gentil d'ailleurs. Jules, ouais, merci Jules. GG. Hey. J'ai quand même une commune mode de modo de fou. Hein. Merci les modos. Donc ça, c'est le communiqué de l'Elysée. Alors moi, j'attendais euh, impatiemment une intervention télévisée. J'étais prêt à la streamer d'ailleurs pour la réacte. Et finalement, il a choisi, euh, le président Macron, de communiquer par. genre euh, bon, un simple communiqué écrit, comme pour. D'ailleurs, le parisien le dit d'ailleurs, comme finalement pour. Euh, pour banaliser le truc. Genre, je ne veux même pas parler à la télé de ça. De ce, non, voilà, vous voyez ce que je veux dire Donc, lisons se communiqué de l'Élysée. Le président de la République a reçu vendredi et lundi, en vue de la nomination d'un premier ministre, les responsables des partis représentés au Parlement, ainsi que les présidents des deux chambres, ça je vous en ai parlé, c'était vendredi et lundi, les échanges ont été loyaux, sincères et utiles. Ouais. Il les a reçus, bla blablabla, ça c'est du blabla. Au terme des consultations... Le président a constaté qu'un gouvernement sur la base du seul programme et des seuls partis proposés par l'Alliance regroupant le plus de députés, le nouveau Front Populaire, donc le, le président prend acte quand même que le plus gros groupe et le, le groupe qui a gagné, enfin qui est en, qui est en tête des législatives, c'est bien le NFP, et bien que ce groupe, même s'il est en tête par le nombre de députés, serait immédiatement censuré par l'ensemble des autres groupes euh, représentés à l'Assemblée. C'est vrai que le NFP n'a pas de majorité absolue et une majorité relative qui est assez faible. Un tel gouvernement disposerait donc immédiatement d'une majorité de plus de 350 députés contre lui, l'empêchant de fait d'agir compte tenu de l'expression des responsables politiques consultés. La stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du président Macron Oh, j'ai un message de mon papa. Je viens en plus. Hop, tout va bien. Chérissez vos proches tant que quand vous les avez. Donc, qu'est-ce qu'il dit le président Macron Bon, effectivement, le groupe politique est arrivé en tête au législatif, c'est bien la gauche. Mais je constate par mes échanges avec les autres formations politiques, hein, et qui est très très prévenant, le chef de l'État, euh, que euh, a priori les autres, les autres, je dis bien a priori. Et j'insiste sur l'a priori, les autres formations politiques seraient prêtes à voter la censure, c'est-à-dire à, à, à virer ce gouvernement euh, aussitôt formé. Je dis bien a priori, parce qu'en fait, euh, le, le président de, vous imaginez bien que le président de la République n'a pas discuté avec chacun des députés. Première remarque hein, de l'Assemblée. Il, il a discuté avec les chefs de parti, hein, les chefs de groupe. Voilà. Et donc, en fait, pardon. Hein, ça c'est mon analyse. Hein. Ce, ce n'est pas un fait. Vous pouvez le discuter. Il n'en sait rien que la motion de censure serait votée. Pardon hein, de le dire. Peut-être que peut-être que je, je vais trop loin dans l'analyse, mais il n'en sait rien. Hein. Il ne sait pas ce que fera chaque député. Vous savez qu'il y a des consignes de groupes euh, parlementaires qui sont données, mais euh, les députés ils font ce qu'ils veulent. Et parfois les consignes sont suivies, parfois elles sont pas suivies. Ouais. Voilà. Et donc, euh, un, il ne sait pas ce que fera chaque député, et deux. Il ne sait pas ce que le NFP, s'il arrivait au pouvoir au gouvernement, proposerait comme politique. Hein, euh, euh, Puisqu'on connaît le programme du NFP, celui qui a, qui a été présenté aux législatives, mais Lucie Casta a clairement dit qu'elle avait bien conscience qu'elle n'avait pas une majorité absolue à l'Assemblée et que donc elle allait proposer un programme euh, euh, aménagé hein, euh, pour justement euh, faire, faire passer les textes en, en essayant de faire qu'ils soient votés et ne pas heurter. Euh, la, la totalité du parlement pour éviter une motion de censure, hein, parce que ça veut un peu de avoir les pieds sur terre quoi. Elle l'a dit. Ouais. Donc, mais lui, il dit, moi, je suis allé voir les autres partis et donc euh, ils vont voter contre. Donc, euh, ça n'est pas une solution. Bon. Je, je trouve que c'est un, un, un sacré raccourci. Je, je pense que je, c'est J'estime je, que c'est un raccourci. Euh, et pourtant, on n'est pas à Mario Kart. Alors, je continue. Euh, les échanges avec le groupe Lyot. Et les partis EPR, alors EPR c'est les macronistes, euh, Modem, Horizon, euh, les radicaux et UDI ont dessiné des voies de coalition et de travail euh, entre différentes sensibilités politiques. Ces groupes se sont montrés ouverts à soutenir un gouvernement dirigé par une personnalité qui ne serait pas issue de leur rang. Donc en gros il dit que du côté du centre, centre droit, centre gauche, il a rencontré des gens qui étaient plutôt ok pour euh, coopérer avec d'autres. Avec qui ben, Macron dit ben, Je sais pas, moi, c'est précis, euh, avec le Parti Socialiste, avec les écologistes, avec euh, les communistes. Mais, euh, mais il dit Ah, mais ceux-là n'ont à ce stade pas proposé de chemin pour coopérer avec les autres forces politiques. Ben non, euh, ils sont dans le NFP et ils disent Non, on ne veut pas se désolidariser des LFI. Hein Donc il dit Il leur appartient désormais de le faire. Donc, ah, ok. Alors il dit. Moi, je vois qu'au centre, centre-droit, centre-gauche, il y a des gens quand même qui seraient prêts à faire des trucs, peut-être avec des gens qui pourraient être des socialistes, des communistes, des écologistes. Pour l'instant, ils n'ont rien proposé. Ben bah non, ils t'ont déjà dit qu'ils ne voulaient rien proposer, ils ne voulaient pas gouverner avec toi. Ils dit Ah ben, bah, c'est quand même à eux de le faire. Ok. La droite républicaine, alors parlons de la droite maintenant, euh, a défini ses lignes rouges, détaillé son pacte législatif sans s'engager à un vote du budget ni à un soutien, une participation au gouvernement. Oui, la droite euh, ne veut pas entendre parler d'une alliance avec le président Macron. Hein euh, dès demain, mardi, donc c'est aujourd'hui, alors ça, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant Un nouveau cycle de consultation. Allons bon. Avec les responsables des partis, des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République, reprendra. Il y a deux infos là. Les négociations vont reprendre. Alors là, elles n'ont absolument pas abouti. Donc on reprend les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qui peut se passer Bah. Pas rien, a priori. Mais aussi avec des. très mystérieux. Des personnalités se distinguant par l'expérience du service de l'État et de la République. Qu Qui sont ces personnalités euh, On ne sait pas. C'est mystérieux pour l'instant. Là, je ne troll pas. Hein, c'est une vraie analyse. Hein. Euh, en ces temps inédits dans la 5 on où les attentes des Français et des Françaises sont forts, le chef de l'État. Euh, c'est marrant, chef avec un grand C. Ça c non, c'est petit C, chef de l'État. Che, état, grand E. Euh, chef, petit C. Bon, je ne sais pas qui a écrit ça. Appel, c'est un communiqué et pourtant. Appel, l'ensemble... C'est important les, les capitales dans la langue française. Appel, euh, président de la République, petit P, République, grand R, par exemple. Chef de l'État, petit C à chef, grand E à État. Ce n'est pas des détails en fait. Hein. On n'est pas euh, le chef de l'État, ça va aller quoi. C est, c est, c est, quel que soit le président, on n'écrit pas chef avec un grand C quoi. C'est pas une dictature non plus. Euh, Appel, l'ensemble des responsables politiques à se... À se hisser euh, à la hauteur du moment en faisant preuve d'esprit de responsabilité. Euh, ok, Bernard Pivot. Non, non, c'est important. Le président de la République déclare, c'est aussi une faute, c'est petit P. Euh, c'est le culte du chef ou quoi, cette histoire Ma responsabilité. Bi bi tiens, bientôt ils vont mettre un grand R à responsabilité, vous allez voir. Euh, et que le pays ne soit ni bloqué ni affaibli, les partis politiques du gouvernement ne doivent pas oublier les circonstances exceptionnelles d'élection de leurs députés au second tour du bla blablabla. Ce vote est obligé. Bon. Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu. Merci euh, badaim pour le deuxième mois. Merci Curélien euh, pour le deuxième mois. Ouais. Euh, D'où ce titre du Parisien. Je ne suis pas le seul à pas être convaincu. Toujours dans l'impasse. D'où d'ailleurs toutes les analyses des journaux ce matin, quelle que soit leur sensibilité, des journaux euh, libéraux, conservateurs, de droite, de gauche, ils disent tous la même chose. Euh, on est coincé. On est coincé. Voilà. Euh, lisons les analyses ce matin. Euh, Libération euh, parle d'un mépris, voilà, un mépris pour le, euh, les électeurs qui ont voté pour le NFP. Emmanuel euh, Macron a annoncé lundi soir exclure l'option d'un gouvernement de nouveau front populaire au nom de la stabilité institutionnelle. Qui qu écrit Dov dans son édito ce matin, merci euh, Papy euh, gatograph. Pa pardon, Papy Le communiqué d'Emmanuel Macron, qu'on vient de lire ensemble, il hein, faut toujours aller à la source, annonçant tranquillou écarter la possibilité d'un gouvernement euh, NFP, euh, le mouvement arrivé en tête aux législatives, rappel Libération, est une atteinte au principe démocratique. Avec sa prétention d'agir au nom de la stabilité institutionnelle de notre pays, Emmanuel Macron frise le ridicule. C'est lui qui a déstabilisé le pays avec une dissolution surprise de l'Assemblée nationale sans aucune concertation. Voilà. Euh, je remarque d'ailleurs que. Macron est allé demander au RN ce qu'il ferait s'il y avait un gouvernement NFP. Donc, euh, je vais encore faire du mauvais esprit. Appeler aux voix de gauche pour faire un barrage républicain au Rassemblement national, ça c'est OK. Hein? Électeurs de gauche, euh, bougez-vous le cul, il faut absolument faire barrage au RN. Donc, euh, quand vous n'avez pas de candidat ga de gauche en tête, il ouais, faut quand même voter pour les autres pour faire barrage au RN. Euh, et une fois que c'est fait, on va voir le RN et on dit, bon les gars, si jamais je, 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 vote un, je mets un gouvernement de gauche à la tête de l'État, vous allez le censurer, hein vous allez voter contre, hein c'est ça hein Je sais pas. La démarche, c'est un peu bizarre, quoi. Si je puis me permettre. Je ne sais pas du mauvais esprit, je suis vraiment très surpris par ce qui se passe. Hein euh, Macron crée un bazar, son nom, bon, estime Libération. Lisons l'article de Libé. Ni les 50 jours écoulés depuis le second tour des législatives. 50 jours. C'est un record, hein? c'est jamais arrivé sous la cinquième. Euh, ça aussi, c'est un fait. Hein? Quelqu'un dans le chat vient de me dire, euh, gentiment d'ailleurs, hein? euh, Sam, tu extrapoles, tu as une vision en surface, tombe pas dans les biais faciles. Sky Mix. C'est factuel ce que je dis. Hein? 50 jours. Après une élection sans gouvernement, ça n'est jamais arrivé. Très factuel, ça. Moi, je trouve quelque chose qui ne va pas là. Non. Je rappelle que c'est le président Macron qui a dissous l'Assemblée. Hein. La pire décision de dissolution de l'histoire de la Ve République. Le gars, il a une majorité relative. Voilà. Parce qu'il ne s'est pas trop mouillé pour la campagne législative pour son deuxième mandat. Il a une majorité relative qui, bon an, mal an, cas un cas, bon, il arrive à faire le job entre. Les gouvernements Borne et Gabriel Attal. Quoi. Et il se dit, bon, c'est un peu compliqué, mais je vais tenter un truc, voilà, je vais dissoudre l'Assemblée, et un petit coup de poker, là, voilà, et, et on ne sait jamais, sur un malentendu. Euh, voilà. Et puis il arrive ce que tout le monde avait prévu, c'est-à-dire qu'en fait, il se prend une, une, une ratatina de élections, et il arrive, il affaiblit encore plus son ex-majorité qui devient une minorité. Quoi. Voilà. Le, ni, ni, ni fait, ni affaire. Ni fait ni à faire. Qu'est-ce que vous voulez à un moment euh, Ce n'est pas un biais, C'est Politiquement, c'est boulette sur boulette, c'est connerie sur connerie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi euh, c est, c est, Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Pardon, je ferme la parenthèse. Ni les 50 jours écoulés depuis le second tour de la législative, ni le grand oral qu'il a fait passer vendredi à la première ministre du NFP, ni le coup habile de Jean-Luc Mélenchon suggérant un possible soutien sans participation de la France assoumise à un gouvernement castet euh, non infléchi la position euh, présidentielle. Repartis pour un tour, les mêmes responsables politiques sont donc convoqués dès aujourd'hui un second round de consultations, cette fois élargi à de mystérieuses, vous voyez, il n'y a pas que moi qui le dis, personnalités se distinguant par l'espérance du service de l'État de la République. L'Élysée ne précise pas le calendrier de ces entretiens, mais vu l'agenda journée la présidentielle, la désignation d'un Premier ministre pourrait encore être reportée de plusieurs jours. Les représentants du NFP qui voient leur présidente, euh, leur prétendante, pardon, écartée, accepteront-ils de retourner à l'Élysée Voilà. Moi, j'ai cru lire que non. Mais je crois qu'on le verra dans un autre article. Je crois que les partis de gauche ont dit nous, on ne retournera pas à l'Élysée. Pour discuter avec vous, puisque de toute façon, on est exclu du jeu, quoi. Euh... En cas d'une solution institutionnellement stable ou d'un miracle. Écrit Libé, vu le paysage politique en mille morceaux, Macron croit, lui, encore possible de dégoter un autre Premier ministre immunisé contre tout risque de censure. La presse nous dit que Macron, Macron croit qu'il est possible de trouver un Premier ministre qui ne soit pas censuré. Moi, je, moi, je n'y crois pas. Mais après, je, je peux totalement me tromper dans l'analyse. Merci, Mr Coban, pour le soutien. Je vous lis un petit peu, puis après, on lit le Figaro là-dessus. Le Figaro qui a une autre position, mais qui est, qui est, qui est intéressante. Voilà, ils ont dit qu'ils ne reviendraient à l'Élysée, les partis de gauche, euh, que pour parler du gouvernement avec euh, Mme Casten, Nagayo, Sugarstein. Tu as raison, c'est ce qu'on lira un peu plus loin. Tu as raison. Ça n'existe pas. Il y a Noa Delis qui me pourquoi ne pas accepter un Premier ministre euh, non encarté, neutre Ça n'existe pas. Une personnalité neutre. Tu es toujours de quelque part, tu es toujours, tu as toujours, euh, quand tu es en capacité d'exercer de, de, de telles responsabilités, de telles fonctions, bah, tu as tu as une histoire, tu as fait des choix, tu as des valeurs. Même si tu n'es pas encarté dans un parti, tu as forcément une couleur, tu as des positions. Voilà. Personne n'est neutre. Ça n'existe pas. Heureusement d'ailleurs. On a tous des idées, des positions, des valeurs en fait. C'est un mirage, hein, de la neutralité en politique. C'est déjà un positionnement politique d'ailleurs. Il gagne du temps, mais pourquoi Quel est le but Mastabé, j'aimerais le savoir. Je n'ai pas la réponse. Je vous lis. Après, il y a des messages que je ne comprends pas, donc je peux pas. Il y, a des messages, je, je les il y a Shinobi qui dit il oublie encore le Front républicain. Qui? Qui Ah si, si tu parles du président Macron, bah oui, oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je casse tout avec ma table de mixage là. Peut-être qu'il temporise jusqu'à la prochaine dissolution. Ah, c'est ce intéressant ce que dit euh, Demoiselle Sauveur. Qu'est-ce qu'il fait Et Demoiselle Sauveur propose peut-être qu'il temporise jusqu'à la prochaine dissolution. Euh, ce serait un scandale. La prochaine dissolution, c'est dans un an. Hein? Enfin, euh, maintenant, c'est dans... Bah, dans C'était quand la législative Dans dix mois. Bref. Euh, Puisqu'en fait, il y a un cool down entre deux dissolutions, il peut pas... Dis, dans dix mois. Il ne peut pas dissoudre euh, moins d'un an, il ne peut pas y avoir moins d'un an entre deux dissolutions. Voilà. Ça voudrait dire, si on partait sur cette hypothèse, que pendant un an, il n'y aurait pas de gouvernement. Il y aurait un gouvernement euh, démissionnaire, mais qui, qui serait un gouvernement qui expédie les affaires courantes qui ne gouvernerait pas, en fait. Euh, ça n'est pas possible. Les Français ont voté. Les Français ont voté, en fait. Un pays qui, pendant un an, n'a pas de gouvernement, conséquence du vote des Français, on sort de la démocratie. On sort de la démocratie. Donc ça, ça n'est pas possible. En Belgique, ça arrive souvent MDR. Oui, mais enfin bon, l'exemple belge là-dessus, calouche. Euh, hein? hein Pardon, hein, les j'adore dans la Belgique, mais euh, arrêtez quoi. Hein? Il y a plein de choses sympas dont on pourrait s'inspirer en Belgique, mais pas ça, en vrai. Ainsi, l'idéal du pouvoir, c'est la vacance du pouvoir. Si l'idéal du pouvoir, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir, ça veut dire qu'un pays, en gros, il est voilà, quoi qu'il qu arrive, il n'a pas de gouvernant. On, on laisse aller. S'il y a des crises, bon, bon pff, on verra bien. S'il y a des, des mesures à prendre dans tel ou tel domaine, parce que ben, le, le monde évolue, notre pays évolue, il se passe des choses. ce bon, c'est pas si grave. Mettons personne, plutôt. Bah ben, non, c'est pas tellement. C'est pas, c est, c est pas un idéal démocratique, quoi. Ah non, mais euh, c'est pas. Je, je, très bien la Belgique, mais excusez-moi, les amis. C'est pas un exemple. Ah, merci, Roduc, qui est un peu sérieux. Tout à fait d'accord avec toi, Samuel. Les crises politiques en Belgique, ça ne fait pas marrer. Mais bien sûr. Mais c'est absolument pas un idéal. En plus, la Belgique, c'est un, un pays qui est beaucoup plus décentralisé que la France, en plus. Donc. Euh, qui peut un, 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 fac, beaucoup plus facilement s'autogérer que nous, quoi. Ah voilà, à 1000 Les régions sont beaucoup plus autonomes en Belgique, c'est donc incomparable. Merci. Voilà. Le, ah, euh, libre skip petit. La Belgique est décentralisée, oublies ce paramètres. Bah, tu vois, je l'oublie pas. Vous avez raison, complètement raison. Comparer, ah, arrêtez de comparer la Belgique avec la France. En fait, c'est pas les pays sont très très différents dans leur fonctionnement. On continue. Alors, euh, le Figaro. Le Figaro se félicite de ça. Alors, Libération et l'Humanité, on le verra, ben, se désolent que euh, le président Macron ne veuille pas mettre euh, le NFP au pouvoir. Et le Figaro s'en réjouit. Enfin, le Figaro, non. Un éditorialiste du Figaro. Parce qu'un un, un journal, c'est pluriel. Un journal a une couleur politique, mais je le dis souvent, ne croyez pas qu'un journal, c'est monolithique. Il y a des gens dans un journal qui ne sont pas d'accord entre eux. Et c'est le cas ce matin dans le Figaro. Alors, euh, lisons. Euh, L'édito de Vincent Trémollet de Villers, qui lui se, se félicite de cette situation. Soulagement, il écrit, et confusion. Soulagement, écrit-il, rappelons euh, que la gauche, dit-il, n'a euh, réuni que 28% des suffrages. L'éditorialiste voilà. bon, oublie de rappeler que les autres ont fait moins. Euh, moins de 200 députés. L'éditorialiste voilà. oublie de rappeler que les autres ont fait encore moins. Pour une coalition de quatre groupes parlementaires. Où est la majorité proclamée Personne ne dit qu'il y a une majorité. La gauche ne dit pas on a une majorité. C'est faux. Ils, ils disent on est arrivé en tête donc c'est à nous peut-être d'essayer euh, le truc et euh, de d'amener d'autres députés. Non elle ne dit pas que, non ah non elle ne dit pas qu'elle a la majorité. Elle n'a pas la majorité. Elle ne peut pas le dire. Elle a même pas une majorité relative suffisante. Mais non, mais là, non. non. Castet, qui est quand même la du, du NFP dans cette histoire, ne le dit pas. Mais Mélenchon, c'est une autre histoire. Mélenchon, il a dit au soir du deuxième tour, il a dit, on a gagné, on va appliquer notre programme, tout notre programme, rien que le programme. Bon, bah, dès, dès ce soir-là, je vous ai dit, bah, non, ça ne marche pas comme ça. Vous, vous rappelez, rappelez-vous. Hein? Je vous, je vous, je vous l'ai dit. Je, Jean-Luc Mélenchon, il dit ce qu'il veut, mais c'est une énorme connerie. Hein? Quand on, a, quand on est en tête, certes, mais avec une majorité relative aussi faible, on ne dit pas on a gagné, on va appliquer notre programme, rien notre programme. Ça n'a aucun sens. Je vous l'ai dit le, le soir du deuxième tour, je vous l'ai dit. Voilà. Bon, je ne change pas d'avis là-dessus. Voilà. Mais ne confondez pas les prises de position eues, euh, euh, pas très rationnelles de certains, c'est un peu de la politique, quoi, euh, avec la réalité. Bon, Lucie Castet, Quand vous regardez le détail des déclarations de Lucie Castet, c'est elle qui c'est quand même elle qui est euh, supposée devenir première ministre. Elle ne le dit pas euh, on a une majorité. Elle, elle, elle dit clairement on a une majorité relative qui est très faible et qu'il bah, faudra, elle le dit hein, noir sur blanc, bah, il faudra trouver des textes, des réformes où on pourra aussi être soutenu par d'autres députés, d'autres partis. Ouais, ne confondez pas tout. Hein. Voilà. De, la même jour, de la même façon qu'un journal n'est pas monolithique, euh, un camp politique n'est pas monolithique non plus. Hein. Donc n'allez pas chercher les déclarations des uns et des autres et s'ils disent des conneries, ce pas ma faute. Non. Mais aujourd'hui, la gauche sait qu'elle n'a pas de majorité. À part, les, à part les idiots, les abrutis ou les gens qui font de la politique politicienne, personne à gauche ne pense qu'il y a une majorité. C'est une majorité relative très faible, hein, qui ne suffit pas. Voilà. En revanche, ils sont arrivés en tête. Donc, et moi, mon sentiment, c'est que la logique des institutions et la logique démocratique voudrait que, même si la coalition arrivait en tête à une majorité relative très faible, bien moi, je pense que c'est à elle incombe la responsabilité d'essayer de former un gouvernement et d'affronter une éventuelle censure du reste de l'Assemblée et de tenter de, de faire passer des textes. Voilà. Avec une forme d'intelligence poétique prenant conscience de sa fragilité en disant, bon, on ne va pas appliquer notre programme, tout notre programme, rien que notre programme, comme certains disaient, ce qui est complètement con. Hein, en disant, bon, bah, on a bien conscience de notre fragilité politique, donc euh, voilà, on est en tête, c'est à nous d'y aller, bah, on va essayer de faire un truc. Moi, je Voilà mon sentiment. Voilà. Euh, donc je reviens au Figaro. Euh, donc qui rappelle que euh, la gauche n'a eu que 28% des suffrages, qu'ils ont moins de 200 députés, mais je dis, oui, très très bien, mais alors et les autres, ils ont encore moins. Hein. Euh, depuis longtemps, la gauche a le génie de l'agitation minoritaire, écrit le Figaro, enfin en tout cas, cet éditorialiste. Elle voulait donc, quoi qu'il en coûte, imposer Lucie Castets à Matignon et ses propositions dévastatrices. Donc, lui, il parle du programme euh, du NFP. Elle a échoué. C'est une bonne chose. Bon, bah, ce monsieur, il est très très clair. Il trouve que c'est très très bien que Macron quelque part ait fait barrage euh, à la gauche. La France évite une catastrophe, c'est encore plus clair. Euh, mais rien, malheureusement, n'est réglé. Donc, le monsieur, il dit c'est formidable, mais euh, j'avoue qu'on n'est pas plus avancé. Bon, je continue l'édito. Le président laisse la gestion des affaires courantes à des ministres zombies. Ce gouvernement démissionnaire durable, c'est un sidérant oxymore institutionnel, un gouvernement démissionnaire durable. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Démocratiquement, ça n'a aucun sens. C'est un oxymore, il a raison, monsieur. Ce que nous vivons depuis 42 jours, c'est l'histoire d'un homme qui a creusé un trou pour y faire chuter ses adversaires, cet homme c'est Macron, mais qui est tombé dedans. Ah bah oui. Depuis, il existe que ses opposants l'aident à s'en extraire. Voilà, j'ai fait une connerie, bon maintenant, à vous de régler le truc. Partons Hein, je ne fais pas de l'anti-Macronisme primaire, mais Macron a fait une boulette et aujourd'hui il demande aux partis de, ré... de, de, de la régler quoi. C'est ça l'histoire. Hein? Parfois il faut mettre des mots simples sur des situations compliquées, c'est ça l'histoire. Le président cherche la prise sal salutaire pour sortir du trou donc. Hein? Euh, L'intérêt du pays exige maintenant euh, euh, qu'on la trouve et vite. Qu'est-ce que dit ce, cet éditorialiste du Figaro Il dit "Bon, oh, formidable, merci Macron d'avoir fait barrage à la gauche. Bon, mais maintenant le problème, c'est que il euh, n'y a pas d'autre solution. Est-ce que ce journaliste propose une solution en disant "Bon, alors le président Macron. Moi, je pense que l'honnêteté de ce journaliste, pardon, je juge un peu, mais gentiment, hein. l'honnêteté de ce journaliste ça aurait été de dire "Ok, moi, je suis un journaliste de droite. Je trouve ça formidable que le président Macron ait fait barrage à la gauche. Ok. Mais l'honnêteté aurait été de dire "Alors, puisque." Euh, voilà la situation, bah voilà la voie qui est possible voilà la solution qui est possible puisque là on, ce, ce, ce journaliste se félicite qu'une solution, qui, que la gauche arrive au pouvoir euh, était empêchée ils il s'en félicite, bah, et normalement il devrait dire bah, bah, voilà la solution hein? bah, je ne sais pas, euh... eh bien il non eh bien il dit rien il ne dit rien parce qu'il n'y en a pas et parce qu'il n'y en a pas voilà. alors ce qui est intéressant aussi c'est que comme je vous le disais un journal n'est un pas monolithique et un peu plus tard, un peu plus loin, page 2 dans le Figaro, vous avez un journaliste, euh, des journalistes s'appellent Claire euh, Conruy et Tristan Quino-Maupoil, euh, qui disent pas du tout la même chose. Ils ne sont pas du tout d'accord. Voilà. Et ne pensez pas qu'une rédaction, c'est monolithique. Merci, euh, FDLC 46. Qu'est-ce qu'il a écrit Depuis la défaite de son camp en juin dernier, le chef de l'État cherche à justifier auprès de l'opinion publique la mise à l'écart du nouveau Front Populaire. Exercice délicat, exercice délicat puisque sa première place aux élections législatives anticipées lui confère une légitimité à être chargé de former un gouvernement une un édito dans un édito c'est je vous rappelle c'est un article où le journaliste donne son avis et qui dit waouh formidable le président Macron a fait barrage à la gauche page 2 vous avez deux journalistes qui disent voilà euh, exercice délicat pour le président Macron puisque la première place de la gauche aux élections législatives euh, lui confère une légitimité à être chargé de former un gouvernement. C'est ce que je vous disais à l'instant. Dans le même journal, donc oui, le Figaro est un journal plutôt conservateur, plutôt de droite, mais oui, qu'au sein du Figaro, bah, il y a des sens sensibilités un peu différentes, des un peu différentes. Je trouve ça assez intéressant. Donc le lecteur du Figaro ce matin, il a un peu les deux idées. S'il fait attention, hmm. voilà. Et, ce, et ces journalistes du Figaro ils sont d'accord avec moi en disant que euh, la seule solution démocratique euh, viable serait de de tenter ça de tenter ce qui l'espèce de, de solution logique hein, puisque euh, la gauche est en tête et eh bien même s'ils ont une majorité faible relative très faible et eh bien c'est à eux d'avoir la responsabilité de tenter et peut-être pas de réussir après il faut de l'intelligence politique moi je ne juge pas de ça je ne, je ne juge pas de l'intelligence politique d'une majorité de gauche qui arriverait au pouvoir et qui aurait conscience de sa faiblesse politique en allant chercher des coalitions des majorités avec d'autres députés en, en faisant des conciliations en n'appliquant pas l'intégralité, la totalité de son programme, le, le programme avec le programme, tout le programme, etc. Euh, non, ce n'est pas possible. Voilà. Ça, je ne préjuge pas de cette intelligence politique-là. Je pense que c'est ça qui devrait tenter. Ah et, puis, et puis si ça ne marche pas, et ben après, on tente autre chose. Mais d'abord, tenter ça. Bon. D'abord, c'est quoi T'as plus de café. Samuel, pourquoi tu es radiant sur, euh, en journalisme mais artstock faire sur Valorant C'est adorable. Étoile, il a une explication là-dessus qui est trop gentille d'ailleurs. Je l'ai raid hier, Étoile, et, et puis j'ai dépité d'être aussi nul. Je vous rappelle que mon nouveau pseudo sur Valorant, c'est euh, le PNJ original. Hein. Je, je, je suis passé de uh, The Mister CH. J'ai transformé mon, mon pseudo hier après-midi, tellement j'étais désolé de mon niveau de merde. Et donc maintenant, je m'appelle le PNJ original. C'est mon vrai pseudo sur Valorant et j'ai Red et toi après qui a vu le pseudo qui dit mais non Samuel tu viens t'as commencé le jeu vidéo il y a six mois tu joues avec des mecs qui jouent depuis des années c'est ton premier FPS c'est comme si je descendais dans l'octogone avec je sais plus quoi il ça m'a c'était gentil de dire ça Et les compromis et l'alliance à l'allemande, par exemple, ça n'est pas vraiment dans l'ADN politique français. Tu as raison, Splagada. Pour aller plus loin sur cette idée, en fait, on a une nouvelle donne politique en France. Avant, il y avait en gros deux blocs, un, gros, un bloc de gauche et de, un bloc de droite, Bon voilà, qui alternaient au pouvoir et bon qui le, le système fonctionnait relativement bien avec la Ve République. Bon. Euh, Aujourd'hui, on n'a ce, plus cette donne politique. On a actuellement, et peut-être que ça va changer dans quelques années, peut-être que dans quelques années, on aura de nouveau deux blocs. Mais là, on a quatre blocs, en gros. Hein. Et du coup, les institutions ne euh, marchent pas là. Eh bien, en fait, ben, c'est aux politiques. De leur... À un moment, faut, hein, on peut pas, euh, il faut, faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est aux politiques. C'est aux politiques, c'est aux élus, c'est aux responsables des partis de, euh, de, de, de s'adapter à cette nouvelle donne politique hein, et de se comporter différemment euh, pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, comme dans d'autres pays, effectivement, il faut rentrer dans des logiques de coalition, comme en Allemagne par exemple, où bah, après la l'égislative, vous avez plusieurs euh, gros blocs. Et eh bien, ces blocs discutent entre eux pendant ça dure des ça dure des semaines, c'est très très long. Et puis, ils euh, disent bon ben bah, on va essayer de se mettre d'accord sur des trucs. Voilà. En ce moment, en Allemagne, vous avez au pouvoir des libéraux, des sociaux-démocrates et des euh, euh, des écologistes. Je n'arrêtent pas de tout taper sur la gueule. Ils sont d'accord sur rien. D'ailleurs, c'est un enfer. Bon, bah, mais c'est ça les coalitions. Euh, bon, ben, bah, mais, mais oh, il y a un gouvernement. Voilà. Bon, ça en France, on sait pas faire. Eh ben, il faut apprendre à le faire. Puisqu'on n'a plus deux blocs. Ouais. Donc ça, ça, c'est de leur responsabilité. Il faut les engueuler un petit peu, les politiques aussi. Hein. D'ailleurs, certains le disent d'ailleurs. Après, le dire et le faire, c'est deux choses différentes. c'est pas dépasser les clivages. Les clivages, ils exigeront toujours, euh, net. Mais c'est euh, se, se mettre autour d'une table et dire, bon, on n'est pas d'accord sur ça. C'est ce qu'on fait, nous, ici. On est on, on, ensemble. Nous, vous avec moi, moi avec vous, euh, vous ensemble, vous n'êtes pas d'accord, mais on arrive à discuter. Et bien, ils se mettent autour d'une table et disent Bon, ben, euh, écoute, ça, euh, ça, ça on n'y arrivera jamais, là, on est complètement d'accord, on est complètement opposé là-dessus, bon, ben, on met ça de côté, on n'en parle pas. Voilà. Et puis, euh, et ça, par contre, peut-être qu'on trouve, peut trouver un terrain d'entente, peut-être qu'on peut pousser cette réforme-là. Voilà, c'est ça, en fait. Le... Donc, c'est à eux de s'adapter. C'est pas à nous, hein. nous, on a voté, on a le droit de voter pour qui on veut quand même. Continuons. L'humanité, bon bah euh, c'est un peu comme Libération, ils sont, ils sont un peu en colère, hein, dénonce ce nouveau coup de force de euh, Macron, Emmanuel Macron, et le coup d'État permanent. Euh, bien qu'arrivé en tête aux élections législatives, rappelle du mal, le NFP se voit refuser la, la charge de former le gouvernement. Emmanuel Macron confirme son déni de démocratie. Euh Il tente, certains disent, ouais, mais Macron, il ne peut pas discuter, mais, 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 mais oublier Macron. Dans un gouvernement de cohabitation, puisque Macron n'a pas la majorité, euh, pff, le président, euh, c'est bien pour ça qu'il retarde l'échéance, d'ailleurs, ne sert plus à rien. Hein. Mais Macron n'a pas son mot à dire. Une fois que le gouvernement euh, est en place, Macron, il fera, il fera du cinéma comme tous les présidents de la cohabitation, de Chirac et Mitterrand l'ont fait avant lui. Hein, il, fera, il fera un peu de l'esbrouf et du bruit mais la réalité du pouvoir elle est transférée au gouvernement dans une période de cohabitation euh, et donc ce sera au gouvernement de justement de, de, de mettre en place cette nouvelle philosophie de l'échange, de la discussion, de la concertation de l'alliance etc. Pff, le président il ne sert plus à rien en période de cohabitation c'est pour ça d'ailleurs qu'il retarde le moment où il va nommer un gouvernement hein? donc euh, euh, ceux qui disent le président Macron est incapable lui d'écouter, d'échanger de transiger de euh, peu importe, peu importe. Ne, de, dans la, dans, dès que le gouvernement sera nommé, euh, son pouvoir sera extrêmement affaibli. Comme toujours en période de cohabitation, d'ailleurs. C'est un grand classique. Voilà. Donc, l'oublier. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il retarde la nomination du gouvernement Je ne sais pas. Je continue l'humain. Euh, le président Macron tente de diviser le NFP en tendant la main aux socialistes, aux écologistes, aux communistes, mais ces derniers refusent. Emmanuel Macron dit « reprendre un cycle de consultation aujourd'hui ». Voilà. Euh, le nouveau Front Populaire refuse d'y participer. Hein. On va voir ce qui va se passer. Hein, le président Macron, il attend, il espère toujours que les socialistes et les écologistes se désolidarisent des Pour l'instant, ça ne marche pas. Euh, nous attendons euh, du président de la République qu'il agisse en garant des institutions en tirant la seule conclusion politique d'un scrutin qu'il a lui-même décidé. Hein. La désignation de Lucie Castet persiste la candidate de gauche les quatre chefs de parti. Du côté de la gauche, bon, ben, c'est clair. Ils ont mis du temps à s'entendre. Euh, avant législative pour euh, créer ce NFP, mais force est de constater qu'ils ont réussi à s'entendre. Ils ont mis du temps pour euh, désigner un nom pour les représenter à Matignon, mais ils ont fini par le trouver, Lucie Castet. Et donc, euh, bon an, mal an, euh, aujourd'hui, au moins, il y a une forme de cohérence euh, au sein de, de, de ce NFP, même si vous savez qu'au sein du NFP aussi, il y a des tensions, des divisions, euh, notamment euh, entre LFI et, euh, et les autres parties, et au sein même de LFI. Voilà, pour la petite page politique, on en reparlera demain, et puis après-demain, et après-après-demain. Est-ce que théoriquement on peut rester dans cette situation encore un an Non, ce serait un déni de démocratie surréaliste, ou et les Français finiraient par descendre dans la rue et ils auraient raison. Euh, tu ne peux pas attendre un an après des élections sans en tirer les conséquences politiques. Voilà, ce serait nier euh, la légitimité du vote des Français. Voilà. Donc ça n'est, Alors au niveau des institutions, rien n'est prévu. Hein. C'est-à-dire que la, la Constitution de la Cinquième ne donne pas de délai. Donc techniquement, c'est possible. La Constitution de la 5 ne ne dit pas quel est le délai euh, maximum que le président devrait respecter pour nommer un gouvernement après des élections. Il n'est pas indiqué par la Constitution. Donc techniquement, il peut attendre un an. Euh, bah, techniquement, mais euh, politiquement, démocratiquement euh, euh, parlant, c'est impossible. C'est impossible. Ce serait, ça ferait de nous une république bananière. Quoi. Ouais. À partir de, de quand peut-on parler de déni de démocratie euh, tout, le, tout le 17, ben. Euh, j'ai lu plusieurs constitutionnalistes sur le sujet. Merci Mix pour le 19e mois. Ben, Tous s'accordent à dire que, euh, en gros, euh, là, là maintenant, là, à partir de la rentrée, euh, s'il n'y a, a pas de gouvernement, ben, on, on, on commence à pouvoir parler de, de déni démocratie. On est dedans, là. Mm. <laughs> Je rime. <laughs> Je rime. J'aime l'humour du chat. Il y a Razer qui écrit Les viewers qui mettent des pavés dans le chat, C'est pas un contrôle noté. J'adore. Je ris. C'est drôle. C'est drôle. C'est très drôle en vrai. Mmh. J'aime bien les pavés, moi. <laughs> T'imagines ce métier qui met des notes <laughs> J'en serais bien capable. Ah, oh, c'est drôle. Oui, on entend des gens derrière moi. Oui, c'est les gars qui font des, 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 des barbecues de sardines dans la cour. Qu'est-ce que tu y fasses, moi je veux que j'y fasse, moi Je suis pour la liberté des gens, moi. Le mec qui veut faire des, des, des barbecues de sardines, il fait des barbecues de sardines. Hein. Il empêche tout l'immeuble, mais bon. Hein. C'est pas, pas criminel Bon, mais Auton Bird a raison dans le chat. Je vais y aller, moi. Je vais vous laisser bosser un petit peu. Donc, Auton Bird propose un sujet de réflexion, donc, euh, voilà, qui est celui-ci la décision d'Emmanuel Macron de ne pas choisir un Premier ministre est-elle un déni de démocratie Vous avez une heure. Voilà. Donc, moi, euh, bah, ça tombe bien, parce que dans une heure, j'ai un rendez-vous. Donc, je, je reviens euh, pour euh, relever les copies vers 11h55. Donc, je vous laisse écrire vos petits pavés. Ce sera très intéressant. Moi, je vais aller faire une petite sieste. Voilà, n'oubliez pas euh, de lâcher vos subs et vos primes euh, pendant, parce que ne faut pas déconner. Merci beaucoup. À tout à l'heure. <laughs> J'attends toujours le message de, dans le chat qui est arrivé, heureusement. Euh, mais c'est vrai, ce qu'il dit, enfin, il est sérieux ou pas, il est vraiment parti. Enfin, bon, les habitués savent que je fais ça assez souvent. Euh, bon, on en reparlera, les amis. Euh, J'ai adoré dans le chat. Quelqu'un peut me prêter une feuille Est-ce que je peux copier sur ma voisine Est-ce que quelqu'un aurait un stylo euh, voilà. mm. C'est risqué de faire ça. J'allais me barrer moi. Bon, c'est euh, À un moment, faut essayer de deviner quand il y a du troll, quoi. Euh, ja Mais franchement, jamais je ferais ça. Jamais je couperais un stream comme ça. Je peux pas. C'est cavalier, c'est impoli. C'est euh, vous passez du temps avec moi, vous participez, vous donnez de votre temps, de votre, de votre énergie, de votre intelligence. Euh, pour la plupart. Euh, voilà je peux pas cut un stream comme ça en faisant le couillon il y a pas y a pas longtemps je tombais sur un stream comme ça où euh, quelqu'un euh, avait une session de gaming euh, un peu difficile et euh, donc des, ce, qui, bon, ce, qui, ce qui est mon quotidien et donc euh, au bout de deux trois games il a dit bon euh, j'en peux plus euh, ciao euh, je me barre <laughs> fin du live waouh wow, j'étais ah ouais quand même et en fait, bah, jamais je pourrais faire ça 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 je me suis fait ah ouais incroyable Mais en même temps, ça m'a impressionné. J'ai trouvé ça, euh, trouvé ça euh, couillu, quoi. Hum. Euh, bon, parlons des conséquences concrètes. Hein? Quelqu'un disait tout oh, c'est bien qu'il n'y ait pas de gouvernement, en fait. Pff, ça sert à quoi, un gouvernement Regardez la Belgique, ils n'ont pas de gouvernement. C'est le truc que je lis à chaque fois. Ils sont très bien, les Belges. Regardez comme ils sont heureux. Okay. C'est parce que tu croises un, un Belge heureux à Bruxelles qui est une ville formidable, euh, tant conclus que euh, politiquement le système marche. Voilà, raccourci. Euh, bon, bah, Conséquence, par exemple, c'est qu'on bah, a aujourd'hui l'éducation nationale, hein, bah, qui ne sait pas trop où elle va, puisqu'on a une rentrée scolaire inédite, sans cap politique. C'est la une du monde, mesdames et messieurs. Euh, Nicole Belloubet, ministre démissionnaire de l'éducation, euh, Le Figaro parle de ministre zombie, hein, ils sont démissionnaires, ils ne sont plus là, mais ils sont là ils ont démissionné mais ils sont encore en fonction voilà c'est le ministre zombie disait le Figaro donc Nicole Belloubet ministre démissionnaire zombie de l'éducation réunit les recteurs hein, avant de tenir mardi la rituelle conférence de presse donc elle n'est plus en responsabilité mais tu as une conférence de presse waouh contrairement à ses prédécesseurs et en raison du contexte politique euh, Madame Belloubet ne pourra rien annoncer de nouveau super une conférence de presse pour annoncer rien Okay. Brevets, groupes de, be, de, de besoins, les enseignants comme les élèves, leur, les parents attendent d'en savoir plus sur le devenir des réformes. Il y a plein de réformes qui ont été lancées. Ah, je n'ai vous ai pas mis la scène, pardon, excusez-moi. Il y a plein de réformes qui n'ont pas été lancées. Bah, voilà, les gens qui disent oh, c'est grave qu'il n'y ait pas de gouvernement Bah, si. Bah, si, la preuve. Une rentrée scolaire sans cap politique. Ça, c'est vrai pour tous les ministères. Hein. Hein? Une rentrée scolaire sans cap politique. De mémoire d'historien d'éducation, on n'a jamais connu un ministre de l'éducation chargé des affaires courantes à la rentrée. Une rentrée scolaire sans ministre euh, réellement en poste, ça n'est jamais arrivé. Euh, quel cap éducatif Nicole Belloubet peut-elle dessiner pour l'année scolaire à venir Alors qu'un changement de gouvernement est annoncé très rapidement, que les résultats des élections législatives des 30 juin et 7 juillet appellent à un changement de politique. En cette fin août, l'entourage de Nicole Belloubet le concède il n'y aura pas d'annonce de nouveauté. Ok. Euh, ce n'est pas une rentrée sereine pour les personnels, car certaines informations nous manquent, disent les, les enseignants. Euh, les personnels s'inquiètent, euh, euh, relate Elisabeth Alain Moreno, qui est secrétaire générale du syndicat des enseignants SEUNSA. La succession de ministres, par ailleurs, parce que les ministres de l'éducation, ces derniers mois, il y en a eu. Hein. Il y a eu euh, Gabriel Attal, sauf qu'il est devenu Premier ministre. Il a cédé sa place en janvier à Amélie euh, Oudéa Castera, puis ça ne s'est pas très, très bien passé. Elle a été remplacée euh, 28 jours plus tard. <laughs> Pourquoi je rigole Pourquoi Je pouffe comme ça, moi. Par Nicole Belloubet. Puis la dissolution a conduit à un enlisement des réformes. Chaque gouvernement annonce ses... chaque ministre annonce ses petites réformes. Puis là, il n'y a plus de ministre. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Fin 2023, après l'annonce euh, du plan choc des savoirs à la suite des résultats des élèves français, vous savez, dans le programme international pour le suivi des acquis des élèves le PISA, la rentrée 2024 s'annonçait pourtant comme celle d'une transformation. Il y avait plein de réformes importantes qui, qui devaient être mises en place. Là. Euh, huit mois plus tard, la liste des mesures annoncées a été largement allégée. Les groupes qualifiés non plus de niveau, mais il y avait une histoire de groupe de niveau. Euh, maintenant, ils sont appelés les groupes de besoins dans les textes officiels parus au printemps, vont se mettre en place euh, en français en mathématiques dans les classes de sixième et de cinquième. Mais tout s'interroge sur le devenir des mesures. Qu'est-ce qui va se passer Suivant la couleur du futur gouvernement. Hein euh, le nouveau Front populaire n'a-t-il pas écrit dans son programme, par exemple, qu'il abrogerait les mesures du choc des savoirs Donc, on a euh, un programme... Éducatif, le choc des savoirs qui a été voulu par Gabriel Attal, qui est en train de mise mis en place, mais pas tellement en fait, puisqu'il n'y a pas vraiment de ministre. Mais alors est que donc les, les, les enseignants sont supposés appliquer ça Voilà, est-ce qu'ils vont le faire, pas le faire, sachant que le prochain gouvernement aura une autre couleur politique Voilà. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de gouvernement Voilà. Euh, pour les gens concernés par des décisions politiques, comme ici les enseignants, bah, on navigue à vue. Tiens. Bah, le brevet, oui, il y a une réforme du brevet. Eh bah, Firewing BZH, je t'ai pas lu tout l'article du Monde, mais ça parle du brevet. Il y a une réforme du brevet, Est ce qui va être mise en place. Bon, c'est pas trop. Bah, je sais pas. Imaginez-vous, mettez-vous à la place des, dir des, dir des directeurs d'établissements, le... des enseignants, quoi, des parents euh, accessoirement, quoi, des élèves. pas bah, voilà, voilà. Donc, euh, pardon. Hein. Encore une fois, n'est pas contre la Belgique, mais les gens qui débarquent dans le chat en disant Ah, en Belgique, ils ont pas de gouvernement, ça se passe bien, n'y a pas de problème. Bah, non, en fait. Voilà. Le, la pause, le statu quo, un peu le chaos aussi. Hein? Hmm. Bah, comme le dit Defecator officiel, avec plus de précision que moi, parce que Defecator est d'une grande rigueur, allez voir son travail sur Twitch et sur YouTube. Dans l'éducation, ce sont les recteurs euh, qui mettent en œuvre les réformes. Ils sont nommés par les ministres, ces recteurs. C'est pour ça que tout est bloqué si le gouvernement change. GG à toi. Hmm. Non, c'est faux, Xov. Les groupes de niveau, c'est déjà préparé. Les emplois du temps sont déjà faits. Les brevets, on sait aussi. Va, va voir l'article du Monde. Tu vas voir. Tu vas voir. Selon les régions, euh, ça, ça va pas être appliqué pareil. Le brevet, c'est complètement en pause. Tu vas voir. TF14, c'est le GOAT, exactement. Qu'il est cool. Quand il y a un ministre, sa gueule. Quand il n'y en a pas, sa gueule aussi. Ah bah oui, on est en France. Ah bah, hey, si on peut plus gueuler, euh, hein, qu'il nous reste. Hein euh, merci la Croix. Merci la Croix qui ce matin attire notre attention sur un conflit oublié, un conflit qui dure depuis des mois, qui touche un pays qui s'appelle le Soudan, un conflit, une guerre civile, une guerre qui a fait déjà au moins 150 000 morts, qui a fait un million de déplacés. Et merci la Croix d'attirer notre attention là-dessus. Moi, je, je ne savais pas ce qui se passait au, au Soudan. Voilà, je ne savais pas que, que ça avait pris cette ampleur. Et on va lire ce dossier dans un instant. Je vais juste me lancer euh, un petit café très rapidement. Très rapidement, un expresso. OK Voilà. Mais je ne vous, je vous mets même pas de pause. Je vous mets l'article. Ceux qui ont des très bons yeux, vous pouvez commencer à lire. Je ne vous mets pas de pause, pas de musique. Il y en a pour vraiment 30 secondes. Je me lance un café. OK Bougez pas. Vous entendez la machine à café au loin ou pas Vous l'entendez la machine à café ou pas Vous êtes prêt La glace ou quoi? Je mis encore. C'est de ça que j'ai eu zilane, Je suis trop fier. Mon sac de la OTR <laughs> Stream qui écrit La classe, la classe, t'arrive à l'école avec ton sac, la Zilane, à la rentrée, tu vois. Mon sac de la Zilane. Il classe, non Hein C'est pas, pas, pas un cartable qui régale, ça, ça T'as un flex à la rentrée, hein? tu vas aller voir. Il est trop cool ton sac, ouais, je sais. Oh, regardez, c'est Samuel. Ah, il est tellement. Waouh T'as vu le sac il a... Attends, tu sais pas mais si, il a fait la Zilane Waouh! Il est incroyable! Ouais, ouais, Samuel, il est un peu. Ah, t'es jaloux! Ah, t'es jaloux, en fait! J'ai eu ma meilleure vie. J'ai un chaque Zilan. Et j'étais à deux doigts de la gagner, en plus. C'était. Euh... Mmh. Mmh. Un doigt. Ouais. Ah, comment c'était l'école pour toi Pff, Ça me stressais un peu l'école. Je trouvais que c'était un peu passéiste. Faut apprendre des trucs par cœur. Enfin, je sais pas. Je sais pas, pas, un peu. Je sais pas. Je acc... J'ai commencé à m'amuser en première. C'est tard. Avant, je trouvais ça. Je sais pas. J'étais un peu une école de l'ancienne, quoi. À l'ancienne, un peu. Mmh. Je sais pas, j'ai pas trop kiffé. En même temps, il faut, faut apprendre des trucs, donc je sais pas. Voilà. Hum. Euh, parlons du Soudan, les amis. Et moi, je trouve que c'est le dossier euh, un des dossiers les plus intéressants ce matin. Et je dis encore merci à la Croix d'attirer notre attention sur ce qui se passe au Soudan. Soudan, les civils pris au piège de la guerre. Entre bombardements et pénuries alimentaires, la population s'organise pour survivre. Il euh, y a beaucoup de témoignages et il y a surtout un éclairage qui nous fait comprendre ce qui se passe au Soudan et c'est juste hallucinant édito d'Anne Ponce. Anne Ponce, qui écrit ce matin « Le pays se trouve dans l'une des pires situations humanitaires au monde. Depuis 16 mois, une guerre fratricide ravage cette région du monde, minée par les pillages, les viols, les bombardements et la famine. Plus de 10 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et au-delà des frontières. Nous faisons place ce matin à ce conflit oublié. Le Soudan se situe à un point de rupture cataclysmisme cataclysmique, pardon. C'est à l'armée de l'Organisation Internationale pour les Migrations. Le conflit qui oppose depuis le 15 avril 2023, alors quel est ce conflit L'armée régulière du pays à ses anciens auxiliaires, ce qu'on appelle les paramilitaires des forces de soutien rapide, a déjà tué 150 000 personnes. Hein? Donc le conflit dure depuis avril 2023, 150 000 morts déjà et provoqué des déplacements massifs, on parle d'un million de personnes. Chaque camp bénéficie du soutien d'alliés étrangers vous allez voir lesquels, intéressés par les ressources de cet immense pays et par sa situation stratégique. Il y a des armes qui arrivent au Soudan et qui entretiennent ce conflit. Alors, il y a plein de témoignages de Soudanais qui sont très intéressants, que je vous invite à lire dans la croix, des familles, hein, leur, leur quotidien, notamment parfois des bombardements euh, tous les jours, Persie-Best-Rider pour le soutien. Et on a un paragraphe sur l'explication de ce conflit. L'enlisement d'une guerre nourrie de soutien étranger. Laminé par les combats, les atrocités et la famine, le Soudan vit une descente aux enfers, scellée par l'ingérence de pays étrangers. Pour parler et médiation échouent à arracher un cessez-le-feu. C'est une impasse qui s'écrit à l'abri des regards, reléguant le Soudan au rang de conflits oubliés. Les atrocités de guerre qui embrassent depuis depuis 16 mois déclinent pillages, viols, exécutions et bombardements, les États-Unis estiment que le conflit a tué plus de 150 000 civils. Selon les Nations Unies, 11 millions de Soudanais ont été déplacés par les combats dans des mouvements qui s'intensifient en raison des inondations et de la famine. Il s'agit de l'une des pires crises humanitaires de notre époque. Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'un combat fratricide. Là, on va comprendre quel est le problème. Entre deux généraux, vous avez le général Abdel Fattah Al-Burhan, qui est à la tête de l'armée régulière soudanaise, et vous avez le général Mohamed Hamdan Dagalo. Qui est le chef des forces paramilitaires de soutien rapide? Le premier général est soutenu par les anciens du régime islamiste et les élites de Khartoum, la capitale. Le second est issu des milices arabes janjaouides, impliquées il y a une vingtaine d'années dans le génocide du Darfour. Ensemble, parce qu'à un moment, les deux étaient ensemble, ensemble, les deux généraux ont renversé en 2021 le gouvernement de transition démocratique. Okay installés après une révolte populaire qui avait évincé la dictature islamiste, la longue dictature islamiste d'Omar al-Béchir, mais leurs ambitions les opposent. Donc les dégâts se sont alliés pour renverser le gouvernement de transition démocratique, et après ils se sont fait la guerre. Euh, leur guerre est déclenchée le 15 avril 2023, sur son sillage leur rivalité soulève les prises d'armes de milices locales, des conflits locaux et des tensions ethniques. Dès les premiers affrontements, les grandes puissances n'en saisissent pas la gravité, il y a eu une inaction des grandes puissances au début, regrette la croix. Les réactions diplomatiques des États-Unis euh, aussi entre instructions divergentes, tandis que les Européens suivistes et divisés restent dans l'effacement, décrypte Roland Marshall, qui est un chercheur au CNRS. Il y a donc d'emblée au Soudan une réponse occidentale qui est limitée, à laquelle se greffe le silence de la Chine, premier partenaire commercial du pays, et celui de la Russie. Et dans cette brèche, c'est dans ce silence finalement des grandes puissances, cette inaction, que s'immiscent des acteurs régionaux en compétition attirée par l'intérêt stratégique d'un pays situé entre le Sahel et la mer Rouge. Tandis que l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Turquie, la Russie et dernièrement l'Iran épaulent l'armée gouvernementale, le général Emeti a reçu une aide décisive des Émirats arabes unis, tout en tissant lui aussi des liens avec la Russie à travers la contrebande de l'or et le groupe Wagner. Les deux camps poursuivent les combats tant qu'ils auront les moyens grâce à leurs alliés. Résume un autre chercheur qui s'appelle Thierry Vircoulon. Face à ce chaos, des tentatives de médiation sont à l'œuvre. Les dernières viennent de s'achever à Genève à l'initiative des États-Unis, mais le général Al-Buran a refusé de s'asseoir à la même table que son rival. C'est une lutte à mort pour le pouvoir qui est en train d'être livré et qui met le Soudan à feu et à sang. Voyez. Donc là, on a un conflit qui est loin des yeux, hein, dont on ne parle pas. Voilà, et sur lequel on a peu d'infos, et je trouve que ce dossier de la Croix est un peu une masterclass parce que est une grande précision, et alors en, en lisant en quelques minutes ce dossier, bah vous comprenez pourquoi ce qui se passe là-bas. Voilà. C'est fou, hein. Bon, ça c'est je trouve que c'est formidable quand la presse écrite joue ce rôle. Pierre, yves ça dure depuis 16 mois. Ah, merci. Lesdin dit Hugo Travers a fait plusieurs news sur ce sujet ces derniers mois. C'est fou qu'il y ait aussi peu de couverture sur la question. GG, Hugo. Merci, Lesdin. Ouais. Merci, Eloise, pour le 9e mois d'abonnement. Alors vous êtes plusieurs à souligner à raison que la Croix parle de l'inaction des grandes puissances, mais quand les grandes puissances font rien, elles sont accusées d'inaction. Quand elles s'impliquent, elles sont, elles, sont, elles, sont, elles sont accusées de, 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 de s'occuper de, de choses qui ne les regardent pas, et de, et de, et de lorgner vers les ressources du dit du, du pays, c'est compliqué. Comme le dit Spagada, au milieu, il y a les civils. Bon, en tout cas, maintenant que je comprends un peu de quoi il retourne, je, je suivrai ce conflit, notamment c est, c est les quelques initiatives diplomatiques en la matière. Alors, hier, certains d'entre vous m'ont interpellé, vous avez eu raison de le faire, sur une actu que je n'ai pas évoquée, euh, sur l'arrestation du PDG de Telegram, euh, Pavel Durov, à Paris. Alors, il y avait des articles hier, mais j'ai un peu zappé, je, pourtant j'ai vu qu'il y avait plusieurs articles, mais bon, je... Mais je ne suis pas intéressé et puis je n'ai pas été hypé par les articles. Voilà. C'est un peu de ma faute. J'avais beaucoup d'actu hier et puis parfois je fais l'impasse sur un truc. C'est très subjectif. Mais en fait, vous avez attiré mon attention sur un truc. Je me dis, bah, si les viewers m'en parlent, c'est que c'est peut-être un petit peu important. Voilà. Et je trouvais un bon article dans Le Monde, justement. Merci euh, Latitouti pour le soutien. Pour euh, vous en parler, je trouve que l'article est plutôt euh, bien fait. Voilà. Le PDG de Telegram, donc Pavel Durov, a arrêté à Paris. On va voir pourquoi. Lisons. Je du café, lisons. Ça dit quoi Pavel Durov, donc le fondateur et le PDG de la messagerie Telegram a été arrêté à son arrivée à Paris, c'était samedi, dans le cadre d'une procédure accusant la société de complicité dans de nombreux dossiers liés aussi bien au trafic de drogue à l'apologie du terrorisme au cyberharcèlement. Selon l'AFP, l'Agence France Presse, le juge d'instruction parisien chargé de l'affaire a prolongé dimanche à sa garde à vue avant une éventuelle remise en liberté ou une mise en examen. Avec près d'un milliard d'utilisateurs, donc presque autant de, que de followers de ma chaîne Twitch, dont une large partie dans les ex-républiques soviétiques, Telegram est devenu, avec WhatsApp, l'une des plus importantes messageries dans le monde. Ça, vous le savez. Un succès lié notamment à sa large absence de modération. Salut Camille. Euh, modération. Libertarien revendiqué. Monsieur Duroff se dit en effet opposé à toute censure. Or, quelques minutes de recherche sur euh, Telegram suffisent pour retrouver euh, des groupes faisant l'apologie du terrorisme ou promouvant des escroqueries aux crypto-monnaies. Waouh Super contenu. Comme le dit Viegode, qui résume très bien, Telegram, c'est vraiment euh, l'application de la liberté, mais un peu trop libre, quoi. <laughs> c'est très bien résumé. Libertarien comme Musk, exactement. Bien, bien joué. On va en parler. Euh, c'est pour ce, son manque. Alors, pourquoi il est poursuivi oui, contenu pédophile aussi. Oui, tout à fait. Tu as raison. Ouais, on va en parler. Alors, ce pas parce que c'est un adepte de la liberté d'expression qu'il a arrêté. Hein. C'est un juge qui a pris cette décision. Donc, c'est sur des. C'est une décision fondée sur le droit. Alors, pourquoi pour, pourquoi il a été interpellé C'est pour son manque de collaboration et la modération déficiente de son application que M. Duroff était visé en France par un mandat d'arrêt. L'OFMIN qui est chargé de la lutte contre les violences aux mineurs, euh, avait discrètement lancé une enquête sur la diffusion de contenu pédopornographique sur euh, Telegram. Enquête à laquelle se sont ensuite associés, pour des infractions allant du cyberharcèlement au crime organisé, euh, plusieurs services d'enquêteurs. Voilà. Euh, L'arrestation du PDG d'une application aussi populaire est une première mondiale. C'est la première fois qu'un un, un PDG comme ça d'une application aussi populaire est arrêté dans le monde. C'est la France, mesdames et messieurs. C'est la France. C'est nous. Hein Hein La France, oui. C'est nous. <laughs> Les Jeux de Paris, c'est chez qui C'est chez nous. Le Tour de France, c'est chez qui C'est chez nous. Hein Les Jeux paralympiques c'est chez qui C'est chez nous. Euh, le plus grand événement caritatif ever sur Twitch c'est qui C'est chez nous. The euh, Event. La, la première arrestation d'un patron de messagerie euh, comme ça c'est chez qui C'est chez nous. <laughs> Créteil c'est où C'est chez nous. Voilà. La baguette c'est qui la baguette Bon. La dissolution, c'est chez qui Oui, tout standard, t'as raison. C'est chez nous. Oui. La dette, c'est chez nous. Enfin, euh, tout le monde en a un petit peu. La France, c'est où la France Aussi. Attends, mais oh, mes voisins, ah. Doivent... Oh. Attends, je suis j'ai mes fenêtres ouvertes, c'est l'été. Je suis dans une petite cour, toutes les fenêtres sont ouvertes et en fait, je, je n'y pense jamais, mais je bug comme un connard. N'importe quoi. Alors, c'est drôle parce que là, là, vous êtes là. Mais je pense que la plupart des gens dans, dans l'immeuble ne, ne savent pas ce que je fais. Et tous les jours, ils entendent un mec beugler des trucs qui n'ont aucun sens. Vous, Mettez-vous à leur place. Hein? Un jour, il y a un mec qui va gueuler dans la cour et vous allez l'entendre en même temps que moi. Mais ta gueule <laughs> T'en as pas marre de <laughs> fais des conneries toute la journée J'ai appelé les flics euh, Décensité c'était un homme, gros con. Vous allez voir, un jour, ça va, ça va me tomber sur la gueule. Toutes les fenêtres sont ouvertes, là. Il faut que j'arrête de gueuler. Donc, l'arrestation du PDG d'une application si populaire est une première mondiale. Euh... C'est en France, c'est en, en France. Par le passé, de nombreux gouvernements avaient tenté de bloquer Telegram ou menacé de le faire. Que de la gueule, quoi. Mais aucun n'avait émis de mandat d'arrêt contre M. Duroff ou ses proches collaborateurs. Voilà. Euh, début 2022, l'Allemagne, agacée du manque de collaboration. Euh, de la plateforme dans une enquête sur un mouvement d'extrême droite soupçonné de préparer un coup d'État avait menacé de bloquer l'application avant qu'un accord dont le contenu n'a pas été rendu public ne soit trouvé. Donc en Allemagne ils ont tenté les trucs, c'est pas fait. À la fin des années 2010, la Russie avait sans grand succès tenté de bloquer le service sur son territoire, avec son Telegram, de ne pas collaborer avec ses services d'enquête. La semaine dernière encore, Telegram faisait l'objet de vives critiques de la Ligue de football professionnelle hein, qui accusait de ne pas modérer les flux pirates de matchs de Ligue 1. Il faudra en parler un jour ça. J'avais un article aujourd'hui mais j'ai pas eu le temps. L'arrestation de M. Duroff est d'autant plus surprenante qu'en 2021, alors ça c'est un truc que j'ai halluciné. Le mec il vient d'être arrêté par la justice française, ok Et j'apprends, merci Griffon93 pour le soutien, qu'en 2021, le monsieur là, il a obtenu la nationalité française. M. Duroff vraisemblablement à l'issue d'une procédure rare et très politique, dite de l'étranger émérite, oui oui, vous aussi vous êtes surpris, qui permet au gouvernement d'accorder un passeport français à une personne contribuant au règlement international de la France. Cette procédure à l'initiative du Quai d'Orsay, donc le ministère des Affaires étrangères, profite en général des célébrités francophones et francophiles. Elle a aussi, ces dernières années, bénéficié les entrepreneurs. C'était qui au pouvoir en 2021 Ah bah c'était le premier mandat Macron. Alors attends. Premier ministre c'était qui C'était Castex C'était qui Non c'est pas une blague Ouais. Premier ministre Castex, ok. Président Macron et... Euh Ministre des Affaires étrangères. Allons au bout du truc, hein Allez J'ai l'impression que c'est je jean yves Le Drian. C'est possible ça Ouais, jean yves Le Drian. Voilà, donc, euh, bon, bah oui, c'est un peu hallucinant, mais le monsieur qu'on vient d'arrêter, là, en 2021, l'État français, le gouvernement, lui a donné à la nationalité française un truc rarissime, quoi. Voilà. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut lire les journaux. C'est intéressant. Euh... <laughs> le monde... <laughs> J'adore la phrase de Le Monde. L'arrestation de M. Durof est d'autant plus surprenante... <laughs> J'adore cette histoire. Voilà. Euh, fin de l'article. L'arrestation de M. Duroff a également provoqué d'importants remous aux états unis où il dispose de nombreux soutiens dans les cercles libertariens et parmi euh, les conservateurs. Voilà. Elon Musk, par exemple, hein, euh, a publié des messages critiquant l'arrestation de Pavel Duroff et lançant même le mot-clé hashtag Free Pavel. Voilà. Plusieurs figures de la droite, dont l'ancien candidat complotiste à la présidentielle américaine Robert Kennedy Jr., ont aussi apporté leur soutien à M. Duroff. Telegram est très utilisé par différents mouvements conspirationnistes. Voilà. Bon. Non, c'est pas pas la même chose. Etienne Et dit ça existe les soirées libertariennes. Non non, c'est pas c'est autre chose. C'est pas les soirées auxquelles tu penses. Euh, ça veut dire euh, c'est les gens qui sont adeptes de la liberté d'expression euh, extrême. On peut tout dire. Hein, c'est ce qu'il dit. Musk. qu'il bon, y a aussi un peu de modération sur Twitter désormais. On peut tout dire, ça va. il Faut pas non plus. Ah oh, on peut plus rien dire. C'est un peu ça. 60 85. Vos réactions sur cette histoire Il y a un Gilou qui dit on ne pourrait pas qu'on filer la nationalité française à Musk et l'arrêter ensuite C'est drôle. Alors, oui, 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 euh, l'article dit tu as raison. Euh, pas, 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 pas. Euh, c'est euh, Demoiselle Sauveur qui dit après, c'est un réseau problématique pour plein de raisons, mais ça permet également d'être plus en sécurité pour des manifs qui ne plaisent pas à l'État. C'est vrai. Attends, euh, l'article dit à un moment ça. Ah oui, c'est dans l'édito, je vais vous le lire. Parce qu'il y a des aspects positifs à Telegram, et ça le monde le dit aussi, comme comme, comme toi. Let's go. Euh, hey, je, je, rien n'est jamais tout blanc, tout noir. Euh, Jusqu'où peut aller la liberté, parce que le monde va plus loin que ce côté factuel, et s'interroge en fait sur qu'est-ce que c'est la liberté d'expression. C'est intéressant. Dans l'édito, c'est un peu plus loin, c'est à la fin du journal, c'est page 24. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression sur les plateformes numériques C'est une bonne question, ça. Non L'arrestation par les autorités françaises du fondateur du PDG de la messagerie Telegram, Pavel euh, Durov, relance un débat beaucoup moins simpliste qu'il en a l'air et essentiel pour l'ordre démocratique moderne. Pavel Durov, 39 ans, défend une approche libertarienne hein, de cette question. Il refuse, au nom d'une opposition de principe à la censure, euh, les méthodes de modération de contenu qu'appliquent la plupart des autres euh, plateformes. Cette attitude a fait de fait Telegram un, une messagerie à double tranchant, précieuse pour les opposants. Précieuse pour les opposants. Euh, qui peuvent ainsi communiquer à l'abri de la surveillance des régimes dictatoriaux. Elle est aussi providentielle pour les pédophiles. Pour les criminels. Pour les cybercriminels. Pour les terroristes de toutes sortes. Ah ouais. Libres d'étendre leur réseau sans être inquiétés. C'est cette deuxième dimension qui explique l'arrestation. Quelqu'un me disait, mais euh, pourquoi il est arrêté C'est cette deuxième dimension qui explique l'arrestation de M. Durov que la justice française voudrait interroger à propos d'infractions commises sur Telegram euh, aux lois punissant l'escroquerie, euh, le trafic de stupéfiants, le cyberharcèlement, euh, la criminalité organisée, la l'apologie du, du terrorisme. L'affaire secoue le monde de la communication numérique, où les sympathisants de l'approche de Pavel Durov comme Elon Musk ont dénoncé une violation de la liberté euh, d'expression. Elle constitue aussi un test juridique et politique important pour l'Union européenne. Devenue ces dernières années la championne de la régulation démocratique des plateformes numériques. Parce que vous savez que l'Europe est un peu à la pointe en matière d'encadrement, justement, et de régulation démocratique des plateformes numériques. Et là aussi, on, là on a un petit, euh, je ne sais pas si je dire, cocorico au niveau européen, mais il se passe des choses intéressantes au niveau européen pour ça. L'Union européenne a dû pour cela croiser le fer avec les géants américains, imprégnés de la culture du premier amendement de la Constitution des, des États-Unis, qui garantit, vous savez, la liberté d'expression et du libéralisme. Euh, de la Silicon Valley, soucieux aussi de préserver leur capacité euh, d'innovation et leurs immenses profits. Bon gré mal gré, ils ont accepté le dialogue et fini par se ronger aux restrictions imposées par le Digital Service Act européen, le règlement européen sur les services numériques adopté en 2022. Voilà. Vous voyez, le monde va un peu plus loin que l'arrestation du Roth. quoi On a bien fait d'attendre cet article. Exactement. Euh, Grande résumé pour ceux qui n'auraient pas compris, Telegram n'est pas attaqué pour ses principes. Mais pour son non-respect de la loi sur, euh, pour manque de collaboration lors de la modération des contenus publics. Exactement. Tout à fait. Si, il va le rendre cet après-midi, Elliot. J'ai un rendez-vous à midi Oui, on a parlé d'Oasis ce matin. Mais euh, après, vers 13h, je reviens jouer avec vous. Mais le matin, c'est la presse. Dorian, la titouti. Tu régales, merci de ta participation. Quel chat de qualité, bordel. Mmh. Euh, Apollo, euh, Apollo Samuel écrit Samuel, il faut vraiment que tu fasses un petit euh, jingle pour la matinée des journaux. Ouais, oh, bah je vais le faire à Capella. Je n'ai je pas je besoin de, de faire un petit jingle, on va. Je vais le faire avec, du, comment, avec la bouche, là, comme ils font les le beatbox, là. Je fais un truc avec... Euh, je, euh, je fais maison, quoi. Hein Toi, genre... C'est la revue de presse Tu vois, un truc comme ça, un peu... Euh, un peu jazzy, un peu élégant, un petit peu, tu vois. C'est la revue de presse, tu vois. ce qu'on pense Hein C'est validé Merci la totte pour le 25 et mois. C'est la revue de presse. Un truc un peu comme ça. Hmm. Voilà. Je vais le sampler. Comme ça, j'aurais pas à le chanter. À chaque fois. C'est la revue de presse. Un truc comme ça. <laughs> Je vais bosser là-dessus. En vrai, Joe, il m'a dit putain, c'était une super table de mixage, ça va tu devrais mettre un peu des effets, des machins et tout. Ah, c'est euh, chez qui j'étais samedi aussi, qui m'a dit ça aussi. Euh, Lonnie, mon, le, le streamer chez qui j'étais invité samedi soir, il m'a dit ça, il m'a dit Ah, tu devrais mettre un peu des, des jingles, des trucs et tout. Oui, j'ai entendu un truc horrible, j'ai du mute, dis moi quand c'est bon. Euh... Alors, toi, tu as le pouvoir de mute, Black Rose. Moi, j'ai le pouvoir du Bandef. Donc, je serai toi, je fermerai un peu ma grande bouche. Hein Parce que... Avec moi, ça peut démarrer au quart de tour. Hein? Ah, il n'entend pas hum, Merde. Attends, je vais lui écrire dans le chat. Ouais, puis je mets ma petite émote Samuel rage. J'ai une émo de Samuel qui rage. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Hop. Voilà, je l'ai épinglé. Merci Ragnoc. En tout cas, vivement la liberté d'expression chez Samuel. Pierre, me demande si j'ai réfléchi un peu à mon programme du z event ce que je vais y faire, genre défi, nouveau jeu. Non, je, je pensais surtout. Euh, je, je, en fait, j'ai un peu. Je vais tout miser sur mon sur mon glow, sur mon acquis, c'est-à-dire euh, moi, je, moi, 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 je, je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi, je pense qu'au au fond de moi, je pense que je pense que vous avez vous avez vous avez, vous avez une certaine chance de m'avoir. Je pense que le z event la, a, a la chance a, a de la chance de m'avoir. Je pense que pour aller au, au fond du fond, je pense que l'humanité a, euh, a, a de la chance de m'avoir, et je pense que ma présence suffira. Voilà. Euh, mon glow, voilà. et, que je vais, et que je vais le faire comme d'habitude, c'est-à-dire que voilà, je vais lancer le streaming et puis euh, voir ce qui se passe, quoi. Hein? Voilà. Je suis pas obligé de préparer des trucs. Euh, voilà. de, je pense que ma présence est déjà un cadeau, est déjà un cadeau suffisant. Aux événements et à l'humanité et que c'est pas la peine non plus de préparer mille trucs quoi. Voilà. Ouais. Mmh. Au moins tu es humble, c'est bien, me dit Mais Oui, c'est l'une de mes qualités, tout à fait. Je suis vraiment un gros con, moi. Euh, bon. Non, si, si j'ai si, plein, plein d'envies, j'ai plein de trucs. Bah dans mes sub goals, déjà, il y a du contenu. Hein. Et puis, on va faire plein de trucs avec d'autres streamers. J'espère que les autres vont faire des trucs avec moi. Enfin. Oh, vous savez, ça, c'est un de mes stress, en fait. J'espère que les autres vont faire des trucs avec moi. Quoi. Attends, on est quoi, 36, 36 sur place J'ai tellement peur d'être laissé de côté. Tu vois oh, non, pas avec le vieux, là. Pff, Arrête, il est gênant. Il gênant. Non, 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 pas Valo, pas Valo avec lui. Ah non, il est, ah non, il est vraiment trop mauvais, c'est un enfer. Non, 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 Ah, et puis son humour, là. Oh. oh, là, là, cet humour du boomer, là. Oh, non, non, non. Attends attends, il nous regarde, il nous regarde, attends il nous regarde. Oui, tu disais quoi, oui Tu vois. j'ai trop peur de rester tout seul sur mon ordi, quoi. Ça, je... En fait, c'est ma... Ma, seule... ma grande peur du The Event. Sérieux, quoi. Ah, c'est de te laisser tout seul dans mon coin. Ouais. Ouais. Non, ouais. ouais, mais c'est vrai, hein. En vrai, en vrai, de vrai. Hmm. Hmm. On va voir. J'espère, j'espère, j'espère. Euh, GG, le parisien. Gégé, bah, alors ça, si je pensais que j'aurais dit ça un jour, parce que bon, je, hein, je, suis, bon, je ne m'engage pas pour tel ou tel. Samuel Etienne ne roule pour personne. En tout cas, pour aucun homme politique et aucune femme politique. Mais ce matin, j'ai envie de dire GG Valérie Pécresse. Ah, bah ouais. Alors je sors un peu de. Voilà, moi j'ai je, je, des valeurs, j'ai parfois des idées, des avis sur l'actualité, mais je, je ne roule pour personne. Voilà. Euh... Mais là j'ai envie de dire que j'ai Valérie Pécresse. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Alors évidemment, il faudra voir si ces, ces déclarations sont suivies euh, d'effets, de choses concrètes. Mais, voilà, moi ça fait des, des années, ça fait des décennies que je gueule en disant mais qu'est-ce que c'est que cette honte que le métro parisien ne soit pas accessible aux personnes en situation de handicap. Hein? Les habitués le savent, je le dis au moins une fois par semaine ici, c'est une honte. C'est une honte qu'un pays riche comme la France, qu'une euh, qu euh, qu ville comme Paris euh, ne, ne rende pas accessible euh, son métro aux personnes en situation de handicap. Voilà. Alors pourquoi je dis GG Valérie Pécresse ce matin bah Parce qu'en fait, euh, elle propose de le faire. Alors je ne suis pas débile. Hein? Euh, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et les promesses des politiques euh, hein voilà. mais euh, voilà je, je, je veux y croire un instant que c'est un vrai truc sincère et que euh, que c'est le même constat que je fais que ce n'est pas normal voilà pourtant elle disait debout il fut un temps oh t'y oh non arrête oh non oh non pas toi oh ah non papa après tout ce que tu as fait merci Gaspatcha63 oh non t'y Oh non, non, non 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 ah non Bonne blague, maquine Non, 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 oh non, ah non, oh non Ah non Ah non Le défi du métro pour tous. Valérie Pécresse propose de rendre le réseau parisien praticable aux handicapés d'ici à 20 ans. Bon, le chantier est énorme, en vrai. Euh, un chantier de 20 milliards, à mon avis, beaucoup plus. Le métro 100% accessible banco s'interroge le parisien à la veille des Jeux paralympiques, Valérie Pécresse propose. Donc, c'est la présidente de la région Île-de-France, hein, c'est pour ça. Hein. Et a priori, c'est la région qui est en charge des transports. Donc, euh, voilà euh, propose de lancer un plan à 20 milliards d'euros pour rendre le vieux métro parisien bien plus inclusif. Bon, bah, moi, je... pardon, hein. c'est pas une prise de position politique, mais je dis ah, quand même. Alors, je sais pas s'ils vont le faire, mais au moins on en parle. Au moins on en parle. Hein. Les Jeux paralympiques vont-ils donner un coup de fouet à un projet maintes fois évoqué, jamais lancé Ce lundi matin, donc, c'était hier, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a mis les pieds dans le plat. Voilà, un métro pour tous, ça peut être le grand projet de la décennie à venir, la proposition est sur la table. Après le grand Paris Express, le super métro automatique à 36 milliards d'euros, on, de on a trouvé 36 milliards d'euros pour le grand Paris Express là. Les gens qui me disent que ça coûte une blague bah alors, hein? ah, j'avais pas vu le sondage. Euh, Qui desservira la banlieue parisienne au gré de 68 gares à l'horizon 2031, Valérie Pécresse veut lancer ce nouveau défi du métro parisien accessible aux personnes à mobilité réduite. 100% aujourd'hui des lignes de bus et tramways sont accessibles au PMR. Euh, le RER, c est, c est, pour le prendre de temps en temps, bah, je crois que ça, ça va à peu près OK. Euh, mais le métro, lui, est beaucoup moins performant c'est même une catastrophe. Seule la ligne 14 ainsi que les prolongements des lignes 11 et 4 sont dotés des équipements nécessaires. Voilà, moi, je trouve que c'est scandaleux. Le sujet n'est pas nouveau. Une étude a été commandée même en 2019 pour évaluer la faisabilité de ces travaux d'accessibilité sur la ligne de métro 6 qui relie la euh, vous savez, Nation à Charles de Gaulle. Voilà. Et, et donc, on a fait une étude en 2019 sur combien ça coûterait pour mettre aux normes euh, en accès PMR cette ligne 6, coût du projet entre 600 et 800 millions d'euros. Voilà, ça coûte, ça coûte des sous. C'est sur ce dossier que la région s'est d'ailleurs appuyée pour évaluer le budget global nécessaire pour un plan global d'accessibilité du métro parisien. Ça représenterait une enveloppe de 15 à 20 milliards. On a vu beaucoup plus. Bon. La région Île-de-France se dit prête à en... Moi, j'avais vu des, des chiffres qui disaient plutôt 40 à 50. C'est pour ça que je dis ça. La région Île-de-France se dit prête à en financer un tiers et se retourne maintenant vers l'État et la mairie de Paris pour savoir euh, s'ils veulent s'engager. Ah la région dit OK, let's go, on y va, on met un tiers. Est-ce que l'État peut mettre un tiers Est-ce que la ville peut mettre un tiers Alors la ville est un petit peu gênée. Euh, adjointe Tani Dalgo en charge de l'urbanisme et de l'accessibilité universelle, Madame Lamia el répond C'est une bonne chose. Mais ah, les transports, c'est de la responsabilité de la région. Euh, on sait que la mise en accessibilité de toutes les stations est complexe, voire impossible. Donc, on part un peu défaitiste, quand même, hein. du côté de la mairie de Paris. Pourquoi pas faire une mise en accessibilité partielle oh, OK, ils vont mettre un ascenseur au bout d'une ligne. Euh, voilà. bon, c ça casse un peu l'ambiance, quoi. Mais ça, c'est la mairie de Paris. Quand on est aux affaires courantes, le ministre, le ministre des Transports, des missionnaires, Patrice Vergriette, ne souhaite pas réagir. Ah bah <laughs> Les gens dans le chat qui me disent, Samuel, qu'est-ce que tu nous caches les couilles avec ton gouvernement C'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de gouvernement. Gouvernement euh, démissionnaire, on n'a pas besoin de gouvernement. Regarde euh, la Belgique, là, ils ont pas de gouvernement, ils sont très heureux. Ben hein bah voilà. Bah là, le, le ministre qui est démissionnaire dit, ben bah, euh, moi, je je suis pas en responsabilité, moi, les gars. Je, je, je suis là, euh, je suis là, je suis là, mais je suis pas là. Ouais. Ben bah, euh, voilà. Donc il répond pas. Mais les usagers, eux, applaudissent l'initiative de la plateforme des transports en commun. De la patronne des transports en commun. Rendre le métro accessible à tous, c'est une très bonne chose. L'installation d'un accès par ascenseur, ça ne servirait pas qu'aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux autres usagers, comme les personnes âgées. Hein, voilà, moi je serais très heureux, par exemple. Euh, ou encore les familles avec poussettes. Ah bah c'est moi aussi, ça. Parce que j'ai deux statuts. Je suis personne âgée et euh, père euh, de jeunes enfants. J'ai rencontré l'amour tard, c'est pas de ma faute. Euh, c'est ce que souligne Bernard euh, Gobitz, qui est le vice-président de l'association des euh, usagers des transports. C'est vrai que ça ne profiterait pas qu'aux personnes en situation de handicap. Voilà. Les associations de défense des personnes en situation de handicap, elles restent prudentes. Hein. L'intention est évidemment louable, mais il ne faudrait pas qu'elle reste au stade de l'effet d'annonce. Alors, on n'est pas... Salut, Voxia, ça, ça va On n'est pas, euh, pas dupe. C'est une annonce politique, donc je la prends avec prudence, mais je suis content quand même que euh, ce soit évoqué à ce niveau. Tu t'étais endormi je voulais faire une blague avec toi, mais je ne le faisais pas. Plus... J'ai oublié ce que c'était, d'ailleurs. J'ai oublié. Euh, donc, petite ITV de Valérie Pécresse, du coup. Euh, donc, la présidente de la région Île-de-France, elle dit, nous allons vers un allongement de la durée de vie. Hein? Euh, bah, J'ai oublié. Mais en vrai, elle était drôle. Et une piétonnisation du centre de Paris, ça signifie que l'accessibilité du métro devient indispensable. Hein? Je pense que ça pourrait être un projet très fédérateur en Île-de-France, dit-elle. Voilà. Est-ce utile, demande le Parisien, de lancer un projet à 20 milliards d'euros vu le contexte économique tendu Elle répond l'accessibilité du métro, c'est un investissement pour l'avenir qui rapportera, si on veut une ville attractive demain et sans voiture, puisque je crois que c'est le projet de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à un moment donné, il faut aussi apporter des solutions. Je suis désolé, je ne roule pour personne, mais je suis 100 d'accord avec ses propos. J'espère que ce sera suivi des faits. Oui, je pense que il est, il serait temps que la France et Paris se dote d'un métro à Paris accessible à tous. On est d'accord avec ça ou pas Je suis le premier qui n'est pas, pas d'accord, je le casse la gueule de toute façon. Merci Quentin pour le soutien. Merci Gaspatcha. Oui, quasiment tous les jours à Brébus. Voilà, là je l'ai fait hier, j'ai fait. Euh j'essaie de faire au moins tous les deux jours ça dépend aussi de l'actualité mais j'essaie de le présenter le maximum de toute façon à un moment euh, je, je vais arrêter la télé moi je vais, je vais, je vais faire 100% Twitch, on, on rigole trop ici je ne roule pour personne mais en Harley Davidson j'ai roulé en Harley Davidson j'ai roulé en Harley Davidson, j'ai roulé en Indian j'ai roulé en Honda, j'ai roulé en Yamaha j'ai roulé en Ducati j'ai roulé en Triumph une ancienne passion. Mais je, je ne roule plus en moto. <laughs> ah. Bêtise. Ta gueule, Cyril bon tout le monde est d'accord ok c'est bon parce que je, comme je ne comme je suis pas très euh, en termes de cassage de gueule je ne suis pas super équipé ça m'arrange que ok j'avais très peur qu'un mec me dise non moi je suis pas d'accord avec toi qu'est-ce que tu vas faire maintenant et personne n'a dit ça ça m'arrange parce que là je ne suis, suis pas au top physiquement là. ok soulagé merci Quentin pour l'abonnement merci à toi ouf on a échappé au pire bon et on termine il me reste 12 minutes <laughs> oh putain j'ai échappé au pire euh pour euh, avant mon rendez-vous de 12 h je vais parler. De... rendez-vous pour parler de quoi, moi euh... Ah oui, de Time Out, le retour de Time Out. Vous savez, mon grand c'est quoi euh... séquence pub. Vous savez que le jeu, le grand jeu de culture générale que j'avais lancé l'an dernier là sur Twitch, là, on avait bien rigolé. Time Out revient. Euh, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis pour ceux qui n'étaient pas là en septembre, octobre et novembre. Voilà. Et euh... et on, on fera ça avec une thématique ville à chaque fois. On fera à Paris. Mais en, euh, avec un accent donné à Montpellier, à Lyon et à Marseille. Voilà. Et donc avec euh, non plus six streamers qui s'opposent comme la dernière fois, mais trois streamers, dont un de la ville. Voilà. Et euh, trois viewers originaires de la ville. Voilà. Euh, donc, ça, la première édition, c'était il y a, je sais plus, six mois huit mois. Voilà. Et euh, donc là, il y a trois, on, on fait trois nouveaux numéros. Et donc, il y aura trois viewers de Montpellier. Je suis allé à Montpellier il y a quelques jours, je les ai rencontrés. Trop gentils, trop sympa. Et puis, on va faire ça aussi avec Marseille et Lyon. Voilà. Bon, J'espère qu'on en fera d'autres. Voilà. voilà. Et, euh, voilà. Et, et par exemple, le streamer qui représentera Toulouse, et il y a deux autres streamers qui vont être calés aussi, eh bien, ce sera Guil, de guil 84 passionné de Minecraft. Voilà. Ça va être super sympa. Donc, ça, c'est en septembre, on fait Montpellier. En octobre. Et novembre, on fera Marseille et Lyon. Et on fait ça à Paris, quoi. Ouais, ça va être bien sympa. Pourquoi je vous dis ça Je ne sais plus. Mmh, J'ai oublié. Pourquoi je vous dis ça, au fait J'ai dit Toulouse Non, c'est Montpellier, pardon. Ouais. Montpellier, Marseille et Lyon. Ouais. J'ai dit Toulouse mais Non, c'est Montpellier. Je perds la tête, c'est l'âge. Je... J'ai dit Toulouse Ah oui, ça n'a rien à voir. Tant plus, je suis allé à Montpellier. Ah oui, par rapport à la réunion. Et du coup, j'ai un rendez-vous à 12h pour parler de ça. Oh putain, ne vieillissez pas, c'est un enfer. La vieillesse, c'est vraiment un naufrage. Ouais. Donc, alors, je finis justement avec les Jeux Paralympiques parce que moi, ça me hype trop. Voilà. Euh, ça, ça sent bon quand même. Hein. Ces Jeux Olympiques se sont globalement très bien passés. Et bon, bah, j'espère que ces Jeux Paralympiques vont également très bien se passer et qu'on va mettre le maximum de lumière sur la question du handicap et de l'inclusion de notre société. Euh, les Jeux Paralympiques prêts pour le retour de flamme c'est le sentiment général hein. euh, les, les, les journaux vous disent que globalement ça, ça semble bien se présenter ce truc à la veille de la cérémonie d'ouverture c'est demain demain soir moi je serai devant ma télé je ne suis pas souvent devant ma télé mais demain soir je regarderai euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques euh, les organisateurs et les candidats aux médailles soignent les derniers détails lisons cet article euh, et après je vous dis au revoir je vous retrouve cet après-midi pour du valo les Jeux Paralympiques proposent la deuxième mi-temps très attendue après la première qui a été réussie euh, allumé sous une pluie battante samedi à Stockmanville près euh, de Londres berceau des premiers jeux paralympiques hein, parce que autant le berceau des jeux olympiques c'est la Grèce autant le, le berceau des jeux paralympiques après la Seconde Guerre mondiale ça a été euh, la Grande-Bretagne euh, avec euh, je vous ai déjà raconté l'histoire mais euh, un, un médecin en Grande-Bretagne qui était d'origine allemande euh, un neurologue qui avait organisé une compétition pour les vétérans de la Deuxième Guerre mondiale afin d'accélérer le rétablissement par le sport. Hein, C'est dit comme ça, les Jeux paralympiques. Et donc, la, la flamme est partie de Grande-Bretagne. Elle a traversé le tunnel sous la Manche dimanche, euh, portée par 24 athlètes britanniques, puis par 24 athlètes français. Elle est arrivée à Calais. Ensuite, la flamme est partie dans 12 villes. Il y a 12 flammes actuellement hein. euh, Calais, Valenciennes, Amnéville, Strasbourg, tournon les bains Antibes, Juan-les-Pins, Montpellier, Lourdes, La Roche-sur-Yon, Lorient, Saint-Malo et Rouen. 12 villes pour les 12 jours de euh, la compétition. Relais composé de 1000 éclaireurs. Les flammes vont ensuite allumer euh, plusieurs départements en Ile-de-France avant un défilé à Paris mercredi. Voilà, Peut-être que j'irai la voir. Tu vois. Euh... Et puis la conclusion annoncée place de la Concorde devant 50 000 spectateurs et l'embrasement de la vasque de nouveau installée dans le jardin des Tuileries, la cérémonie d'ouverture. 4400 parasportifs, dont les athlètes de 182 délégations, vont défiler ce mercredi à partir de... 20h des Champs-Élysées à la place de la Concorde, dans le cadre d'un spectacle intitulé Paradoxe, on en a parlé cette semaine, le paradoxe de la mise en lumière du handicap, alors justement que l'inclusion tarde à progresser suffisamment dans nos sociétés. Ces Jeux Olympiques ont contribué à faire décoller les ventes de billets. Hein. Donc là, je vous parlais il y a quelques jours de 1,75 million de billets vendus sur les 2,5 millions prévus. On est à 1,9 actuellement, on n'est pas loin des 2 millions. Donc c'est un, un vrai succès de billetterie, je trouve ça formidable. Euh, ce qui était depuis de longs mois un sujet de réflexion, voire d'angoisse, s'avère être un nouveau défi relevé. Moi, je suis super content de ça. Les ambitions françaises, l'équipe de France 14e au tableau des médailles à Tokyo en 2021, vise le top 8. Ambition doublée de la volonté de faire évoluer les mentalités. Alors, il y a Alexis Enguincamp, euh, qui est un para-athlète et qui dit des trucs vachement beaux, je trouve. Euh, c'est l'un des porte-drapeaux tricolores. Suis son sport, c'est quoi, j'ai oublié euh, Alexis Enguincamp. J'ai oublié son sport. Quelqu'un là ou pas où je fais une recherche Google Vous l'avez Je suis, mais je ne sais plus. Non, c'est pas la course à pied. C'est triathlon. Voilà. Paratriathlon. Bravo. Et il dit Comment vous savez tout ça, vous c'est pointu comme. Je vous donne le, le, le nom d'un para-athlète et vous êtes une dizaine à me le lâcher comme ça Comment vous faites ça c'est quoi cette communauté de fous là Ouais, incroyable. Google Vous croyez Non, je pense pas, j'ai l'impression qu'ils savent. Euh, lui, il dit, le message est clair, les Jeux paralympiques, ça n'est pas du sport de haut niveau de bas échelon, ça n'est pas une compétition à négliger. Tous les athlètes que je connais sont des athlètes de haut niveau à part entière avec des histoires de vie incroyables et du matériel de dingue. N'allez surtout pas croire que vous allez, voir, allez avoir une petite larme à l'œil de tristesse à voir ces athlètes concourir. Ils ne cherchent pas de pitié, ils cherchent la reconnaissance. Aujourd'hui, il faut que ces Jeux paralympiques atteignent le même niveau que les Jeux olympiques. Il n'y a pas plus de mérite à faire du para, mais il y en a tout autant. Soyons tous unis. J'espère que ces Jeux paralympiques ouvriront les yeux de la société française sur euh, l'inclusion. On est tous différents et peu importe la pathologie, peu importe qui on est, on a tous à apprendre les uns des autres et le bien-être des gens c'est vraiment important. Voilà. Voilà. Ils ne veulent pas être considérés comme des super héros, c'est athlètes ils veulent être considérés comme des athlètes. Voilà, on va euh, terminer cette revue de presse sur ces, sur ces jolis mots. Je vous abandonne parce qu'à midi j'ai rendez-vous donc euh, pour euh, euh, ces trois time-outs qui arrivent euh, sur ma chaîne Twitch à la rentrée, qui est l'un des trucs sympas de la rentrée. Sachant que l'autre truc sympa de la rentrée sur ma chaîne, parce que j'ai pas mal bossé ces derniers mois pour vous proposer des nouvelles choses, je l'annonce. A priori. Demain. Demain, je vais poster sur les réseaux une petite vidéo. Les modos, ils savent, eux déjà, ils sont dans la confidence depuis le mois de juin. Et ils ont gardé le secret, ils ne l'ont dit nulle part à personne. Alors qu'ils sont nombreux, ils ont été d'une discrétion absolue. Ils savent depuis juin, puisqu'ils qu'ils ont, ont participé au pilote à la première émission, parce qu'on a fait un pilote, hein, ils savent. Framboise enfin, dit, je, je l'ai dit à ma maman, désolé. <laughs> faut pas, faut pas. Et donc, voilà. Et donc demain, a priori, je poste la vidéo pour annoncer ce nouveau rendez-vous sur ma chaîne, qui est euh, une des émissions les plus ambitieuses que j'ai euh, proposées sur Twitch, peut-être la plus ambitieuse. Voilà. On est plutôt sur un contenu sérieux, on est plutôt sur voilà, on est plus proche de l'info que du divertissement. Vous allez voir, mais c'est pour continuer à vous proposer sur la chaîne à la fois du divertissement avec mon niveau de jeu de fou, sur les divers jeux que j'essaye, et quelque chose toujours un peu sérieux aussi, faire les deux quoi. Voilà, et ça, je l'annonce demain, a priori. Euh, justement, un rendez-vous. Ah ben non, c'est à midi. Non, Timeout, c'est ce soir. Mon ben, rendez-vous de midi, c'est pour parler de ça, justement. Pour parler de la vidéo. Midi, c'est euh, ça. Et 18h, c'est pour parler de Timeout. Voilà. Donc, normalement, vous aurez la vidéo demain. Normalement même... Non, c'est même... Ce que j'ai prévu de faire, c'est demain, en fin de matinée, en fin de revue de presse, donc vers cette heure-là, 11h30 midi, euh, vous serez les premiers à le savoir. Demain, 11h30 midi, je vous l'annonce ici. Et après, euh, ah bah, elle sera postée où la vidéo bah, Tous les réseaux, elle sera sur Twitter, elle sera sur Insta, elle sera sur TikTok, euh, elle sera sur YouTube Shorts, elle sera sur Minitel, euh, j'enverrai des télégrammes, j'enverrai des fax, on verra des pigeons, des signaux de fumée, enfin, euh, je vais tout donner. Voilà. Ouais. Demain, demain vous, aurez, vous saurez tout avant les autres. Voilà. Et puis après je me balancerai sur les réseaux. J'espère que ça va vous plaire. Mais euh, bon les, les modos ils savent déjà, ils, ils m'ont dit que c'était plutôt OK. Euh, les l'émission était sympa. Hein Quoi Quoi <laughs> Sur Telegram, je sais pas, c'est pas sûr. Telegram, pas sûr. Euh, ouais, framboise, les modos, ils ont fait un retour cali. <laughs> euh, combien, ah, combien sur 10 je sais que c'est toi notamment qui note ses projets comme ça étoile il sous-estime ses projets quand il annonce un 3 sur 10 c'est un banger en général moi je vais essayer euh, de ne pas sous-estimer je pense que par rapport à ce que j'ai proposé jusqu'ici pour moi c'est un euh, c'est un 7, 8 sur 10 quoi. Voilà. Parce que 10 ça veut rien dire 10 10, c'est quand je, je mettrai enfin à l'antenne mon, mon, mon émission sur la pole dance. Là. Voilà. Mais en vrai, c'est un 7-8 sur 10. Quoi. Voilà, et toi, toi, 10-6 pour Culture Clash, tu vois, alors que, que c'est un 12 sur 10 Culture Clash. Quoi. Voilà. Valo, c'est un 10. Non, mon niveau sur Valo, c'est 1 sur 10. Voilà, en vrai. Quoi. Mais voilà, ça a bossé. Hein. C'est des, de, des mois de préparation, de travail et tout. Quoi. Ce sera une émission qui va revenir régulièrement. Il y aura une il y aura une, une périodicité. Ah, je ne vous dis pas encore laquelle. Ah, c'est une émission que vous retrouverez souvent. J'arrête. Je suis en train de tout raconter. Euh, merci les amis. On fait un raid et puis je vais à ma petite réu. Allez, c'est qui qui naît en live Ok. Qu'est-ce qui fait mon... Ok. Ouais. Ah! Ah, j'ai une idée! Ah, alors, j'ai une très bonne idée! Ah, j'ai une très bonne idée, je suis très fier! Bon, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu en live! Ok! Il y a quelques temps, euh, il y a un chouette gars qui est venu me faire découvrir euh, GTA. GTA en RP, précisément, sur Don't Sam Voilà. Euh, c'est Alex Click. Voilà. C'est Alex hein, qui m'a fait découvrir ça, Les habitués. C'est ça, hein. c'est Alex, hein! Euh, voilà. Et Alex, il est en live là sur Once Human, voilà. Et c'est un mec formidable. Et il m'avait préparé une émission de fou avec sa communauté, et c'était formidable. Donc Alex, qui m'a fait découvrir GTA RP, il est en live. Et ben, c'est une très bonne idée à le voir. Bonne matinée, enfin bonne fin de matinée, bon déjeuner, bonne journée, bonne semaine. Soyez heureux, faites attention à vous. On se retrouve dans une heure, 1 heure trente, deux heures pour, pour Duvalo voilà, avec mon niveau de, de dingue et mon nouveau pseudo, le PNG original. C'est mon nouveau pseudo sur. Sur Valo. A tout à l'heure, les amis. Merci pour ce matin. C'était cool. tchou ciao, ciao. Allez, un kilomètre sept par là-bas. Samuel Ah oh là là, merci Samuel Etienne qui vient de lancer un raid. Bonjour Comment tu vas Samuel On était un peu en mode chill, c'est ce qu'on disait en... On prépare, merci pour ce raid et bienvenue à, à tous les... Comment on dit les, les, les habitants de la chaîne Samuel Etienne J'en ai aucune idée d'ailleurs. J'avais passé une très belle émission avec toi Samuel. Euh, c'était très très chouette, tu m'avais accueilli euh, comme un prince. c'était très très cool. Alors pour une fois, on ne fais pas du RP